I'd like to just sit here for a moment and take in your energy. I felt it all the way in the other room, and I want to feel it here personally from you now. J'aimerais juste rester ici assis un moment et puis recevoir un peu votre énergie, ce que j'ai déjà senti tout à l'heure quand j'étais dans la pièce à côté. I want to first of all thank Cyril for inviting me to come here. Tout d'abord, je voudrais remercier Cyril de m'avoir invité ici. Actually, I was supposed to have spent my 82nd birthday in Paris in March. En fait, j'étais censé passer mon 82e anniversaire à Paris au mois de mars. Instead, I spent it in the hospital in Copenhagen with them operating on my brain. Et au lieu de ça, je l'ai passé à Copenhague, à l'hôpital, avec une opération du cerveau. So whatever's left of my brain has come to speak to you today. Donc voilà, j'ai amené ce qui est resté de mon cerveau ici à Paris. You know, you send me your energy. Vous savez, vous m'envoyez votre énergie. And my whole body picks it up. Et mon corps le prend, l'apprend, la reçoit. And I use that energy to inform me what it is you need to hear from me. Et j'utilise cette énergie pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre de ma part. We connect whether we say a word or not. Et qu'on parle ou qu'on ne parle pas, on se connecte. So if it's okay with you, I'm going to sit here in silence for 2 hours. And... Donc si ça vous va, je vais rester ici tranquillement en silence pendant 2 heures. Now this energy is very powerful. We don't learn much about it because it's invisible. Cette énergie est très puissante, mais on n'en parle pas beaucoup, on n'apprend pas beaucoup à son sujet parce qu'elle est invisible. We can't see it with these 2 eyes. On ne peut pas la voir avec ces 2 yeux. But the whole body is an eye that sees that energy. Mais le corps tout entier est un œil qui voit cette énergie. And also sends it back. Et aussi la renvoie. So whenever we meet, there's this immediate exchange of energy. Et donc dès qu'on se rencontre, il y a cet échange d'énergie immédiat. Animals know that. Les animaux le savent. That's how they get along with each other. Et c'est comme ça qu'ils s'entendent bien les uns avec qu'ils s'entendent les uns avec les autres. Uh-huh. So they don't have to convert anything into words. Ils n'ont pas besoin de transformer les choses ou de transformer quoi que ce soit en mots. They just dance with their energies. Ils dansent simplement avec leurs énergies. So I'm here this evening to dance with you. Et donc je suis là ce soir pour danser comme ça. I hope I don't step on your feet. J'espère ne pas marcher sur vos pieds. Okay. It's always a question of where to start. Question, c'est toujours par où commencer. And of course, this moment right now is the only moment that's alive. Et ce moment-là, maintenant, est le vrai, est le seul moment qui soit vivant. Whatever we think about the past and the future, quoi que ce soit qu'on pense à propos du passé, du futur, those are nice thoughts. Ce sont de belles pensées. But aliveness is right now, always. Mais le fait d'être vivant, c'est là, maintenant, toujours. And that confuses our thinking a little bit. Et notre esprit est confus à propos de cela, parfois. So we want to give a little bit of room for our thinking just to be confused. Donc laissons un peu d'espace pour que notre pensée soit juste un peu confuse. It's okay for thinking to be confused. C'est ok que la pensée soit un peu confuse. Thinking doesn't have to know everything. La pensée n'a pas besoin de tout savoir. Thinking can't know everything. En fait, la pensée ne peut pas tout savoir. Thinking can only know what can be translated into our language. La pensée peut seulement savoir ce qui peut être traduit dans notre langue. Luckily, I have a translator here for my thinking. Heureusement, j'ai un traducteur ici pour moi. But I have no idea what I'm saying. Mais j'ai aucune idée de ce que je suis en train de dire. Thinking is a problem. Penser est un problème. It's our human problem. C'est notre problème humain. It's a beautiful invention. C'est une invention magnifique. It's a magnificent part of evolution. C'est une part fabuleuse de l'évolution. But thinking has its problems. Mais le fait de penser, ça a aussi ses problèmes. Because thinking can get stuck in certain patterns. Parce que la pensée peut être bloquée dans certains schémas. And it confuses those patterns with reality. Et ça confond ces schémas avec la réalité. So one of the things we want to work on is letting our thinking be confused. Et donc une des choses avec lesquelles on veut travailler, c'est laisser notre pensée être confuse.
Give it room to be confused. Lui laisser de l'espace pour être aussi confuse qu'elle le veut. It's fine for it to be confused. C'est très bien pour elle qu'elle soit confuse. It gets a little fuddled and confused, and you're not quite knowing how to get out of confusion when it's there. Elle est tout un peu confuse, dans un état étrange, mais on la laisse comme ça. But if we give thinking room to be confused, and if thinking gives itself room to be confused, there's no problem. Mais si nous donnons à la pensée l'espace d'être confuse, si elle-même se donne la pensée, l'espace d'être confuse, alors il n'y a aucun problème. Thinking can't go everywhere. La pensée ne peut pas aller partout. But there are other parts of us that can go places that thinking can't go to. Mais il y a des parties de nous qui peuvent aller à des endroits où la pensée ne peut pas aller. And sometimes thinking really struggles with that. Et parfois la pensée a vraiment du mal avec ça. Because thinking was a part of our survival through school when we first began it. Parce que la pensée, ça fait partie de notre survie quand on a commencé dès l'école. And when we were small, we did whatever we needed to do to survive. Et quand on était petit, on faisait ce qu'il fallait faire pour survivre. We developed all kinds of survival strategies. On a développé tout un tas de stratégies de survie. I learned to lie. J'ai appris à mentir. I was very good at lying. J'étais très bon pour mentir. I would tell my father whatever he wanted to hear. Et je disais à mon père exactement ce qu'il voulait entendre. As long as he wouldn't whip me. Et comme ça, je me faisais pas battre, je me faisais pas fouetter. And I was very skillful at that. Et j'étais vraiment très bon avec ça. I got to know him very well. Comme ça, j'ai appris à le connaître vraiment très bien. I knew what he wanted to hear about me. Pardon? I knew what he wanted to hear about me. Et donc je savais ce qu'il voulait entendre de moi. He didn't want to know who I was. Il voulait pas savoir qui j'étais vraiment. He didn't want to look at me in any depth. Il voulait pas me regarder, pardon, dans ma profondeur. He had his own ideas of who I was or who I was supposed to be. Il avait sa propre idée de qui j'étais ou de qui je devais être. But he took very little time to get to know me. Il a pris très peu de temps pour apprendre à me connaître, pour me connaître. And then I got to school when I was 5 years old. Et ensuite, à 5 ans, je suis allé à l'école. And I knew how to survive well. Et je savais déjà comment bien survivre. I gave the teacher whatever they wanted. Et j'ai donné au professeur exactement ce qu'il voulait. And I survived. Et j'ai survécu. And I survived the next grade and the next grade. Et ainsi de suite pour la classe suivante et puis la suivante et ainsi de suite. Eventually, I went to the university. Et à la fin, je suis allé à l'université. I told them there what they needed to know. Je leur ai dit ce qu'ils avaient besoin de savoir. I went to graduate school. Après, je suis allé dans le niveau supérieur de l'université. I got a PhD, a doctorate. J'ai eu un doctorat. And then the problems began. Et alors là, les problèmes ont commencé. What do you do now? Qu'est-ce que je fais maintenant? Who am I supposed to lie to now? À qui est-ce que je viens pouvoir mentir maintenant? Yeah. It doesn't work anymore. Ça marche plus. There's no one else I have to survive. J'ai plus personne d'autre dont j'ai besoin pour survivre. Maybe a few people in the administration of the university. Peut-être quelques personnes dans l'administration de l'université. Where I got a job. Alors où j'ai trouvé un travail. Okay. But there was very little in me that was connected together. Mais il y avait très peu de choses en moi qui étaient connectées ensemble. Even though I studied psychology. Alors même que j'avais étudié la psychologie. I was excellent at knowing what rats would do. J'étais vraiment très bon pour savoir ce que des rats allaient faire. And what pigeons would do, pecking at a little distance. Ou ce que des pigeons voulaient faire. But I knew nothing about myself. Mais à propos de moi-même, je ne savais rien. And I was very unhappy. J'étais très malheureux. I was very successful. J'avais vraiment beaucoup de succès. I advanced rapidly at the university. J'ai progressé rapidement à l'université. Within a few years, I was a full professor. En quelques années, j'étais devenu professeur à temps complet. I didn't try for it. Et j'ai même pas essayé que cela se passe. I wasn't even interested in that. J'étais même pas intéressé par cela. I wanted to know what's wrong with me that I don't feel like I've achieved anything, even though I'm here as a professor in the university. Ce que je voulais vraiment savoir, c'est qu'est-ce qui n'allait pas avec moi. Je n'étais pas content, j'étais malheureux, alors même que j'avais réussi à être un professeur à l'université. I was chairman of the psychology department for 3 years. J'ai été président du département de psychologie pendant 3 ans. I hated it. J'ai détesté ça.
I'm no good at administration. I don't like administration. Je suis vraiment pas bon pour l'administration. Je déteste vraiment ça. And so finally, after being at the university teaching, and I taught well, the students liked me. Et donc, après avoir enseigné à l'université, et j'enseignais bien. Just the other day, I got an email from somebody that I had taught back in the 1970s. Un jour, j'ai reçu un mail de quelqu'un à qui j'avais enseigné dans les années 70. He's a doctor now, a medical doctor. Il est un médecin maintenant. He wrote to thank me for having been taught him things at the university. That he? He wanted to thank me for having been an example for him at the university. Il voulait me remercier pour avoir été un exemple pour lui à l'université. He said, I still remember when I came to your class and you were sitting on top of the desk in a full lotus there. Il dit, je me souviens encore quand je suis arrivé à l'université et vous étiez assis sur le bureau en lotus. He said, I could see what freedom is. Et là, j'ai compris ce qu'était la liberté. So without knowing it, I was a role model for him. Et donc, sans le savoir, j'ai été un modèle pour lui. Now, Freud called these survival tactics ego defense mechanisms. Freud appelait ces techniques de survie des mécanismes de défense de l'ego. And I differ with him. I don't think they were defensive at all. I think they were survival tactics. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne pense pas que c'était des mécanismes de défense. Je pense que c'était vraiment des tactiques de survie. When we're young, we do what we need to do to survive. Quand on est petit, on fait ce qu'on doit faire pour survivre. Survival comes first. La survie, c'est ce qui vient en premier. Once we've survived, then we can do something different. Alors, une fois que l'on a survécu, alors on peut faire des choses différentes. The difficulty is some of the things that we learned to survive, we don't know how to stop doing them. Et la difficulté, c'est que ces choses que l'on a appris à faire pour survivre, on ne sait pas comment faire pour s'arrêter de les faire. And Freud called this kind of persistence neurosis. Et Freud a appelé cette sorte de persistance de ces mécanismes névrose. He had a good name for everything. Il avait toujours un très bon nom pour toute chose. Now, that's fine if you're stuck with language. Et si vous êtes coincé avec le langage, ça va. But who we are is deeper than our language. Mais qui nous sommes vraiment est plus profond que notre langage. The aliveness that's in us was there long before we were born. Ce qui est vraiment vivant en nous était déjà là bien avant que nous naissions. There was a single cell in your mother when she was born that became you. Il y avait une cellule dans votre mère lors de sa naissance qui ensuite est devenue vous. That must have been a deeply intelligent cell. Et il fallait vraiment que ce soit une cellule très intelligente qui avait juste besoin d'un petit peu d'aide. Daddy had to send some instructions. Papa a eu besoin d'envoyer quelques instructions. But that mother cell only let those instructions in, nothing else. The tail had to fall off. Mais cette cellule mère, elle a simplement accepté de recevoir ces instructions. And et then, c'est tout. Then this cell started using what it knew. Using its memory, changing and developing and growing and putting out little things that eventually reached out to become arms and hands. Et donc cette cellule, elle a simplement commencé à faire, ce qu'elle savait déjà. Grandir, se développer, et puis faire pousser ces choses qui sont devenues nos membres. It was like an explosion. C'était comme une explosion. In 9 months, that little cell went through billions of years of evolution. Et en 9 mois, cette petite cellule a retraversé des milliards d'années d'évolution. At one time we had a little tail, we had gills, it took us all the way through the changes that aliveness had gone through during aliveness's entire lifetime. À certains moments, on a eu une queue, on avait des branchies, etc. Et cette petite cellule a revécu toute cette évolution à travers toute l'évolution, en fait. The little primitive brain at one point sent out these little things that turned into eyes. Et le cerveau primitif à un moment donné a envoyé ces choses qui sont devenues des yeux. Your eyes were a part of your brain at one time. Il y a donc eu un moment où vos yeux faisaient partie de votre cerveau. Why would it send these out like this? Pourquoi est-ce que votre cerveau a envoyé cela vers l'extérieur comme ça? We learn in psychology and biology, to take in the light and the color and the form. Alors en psychologie ou en biologie, on apprend que c'était pour recevoir les lumières, les couleurs, les formes.
That's partially true. C'est partiellement vrai. But they needed to reach out. Mais ils avaient surtout besoin d'aller vers l'extérieur. Your eyes needed to go out into the world and search. Il fallait qu'ils aillent vers l'extérieur dans le monde et rechercher quelque chose. Just like your arms and hands and fingers wanted to reach out and touch something. De la même façon que vos bras, vos mains voulaient aller vers l'extérieur et toucher quelque chose. And one of the things we were most interested in touching was this little receptacle coming out of the wall. Et ces choses qu'on était les plus intéressés à toucher, ces petites choses qui, ces petites boîtes là qui sortent du mur. And then Mama would come or Papa, don't touch that. That's dangerous. Et maman, bien sûr, ou Papa arrivait, il disait surtout touche pas ça. So here's another survival place. Et à nouveau là, la survie rentre en jeu. And little by little, we learned to maneuver ourselves through and around our parents' language. Et donc, petit à petit, on apprend à manœuvrer comme ça autour du langage de nos parents. But we mistook that, what they said, we mistook that for the world. Mais cela, ce qu'ils disaient, nous l'avons confondu avec le monde. But it wasn't the world. Mais ce n'était pas le monde. It was the place our parents had to survive. C'était l'endroit où nos parents ont dû survivre. And we needed to grow beyond our parents. Et donc, il nous a fallu grandir au-delà de nos parents. And something in us knew that. Et quelque chose en nous savait cela. Something that was in that mother cell knew we were supposed to continue to grow bigger and bigger and bigger after we were born. Et quelque chose qui était dans cette cellule mère savait que nous avions besoin de grandir après notre naissance. And that place deep inside of our aliveness knows we are supposed to grow our entire lives. Et ce lieu à l'intérieur, profondément à l'intérieur de ce qui est vivant en nous, sait que nous devons continuer à grandir tout au long de notre vie. We are never supposed to stop growing. On n'est pas censé jamais s'arrêter de grandir. We reach out and connect with whatever we're curious about. On va vers l'extérieur, on établit des connexions avec tout ce dont on est curieux. One of the difficulties is we've created cultures in the world that want to give us a particular form and direction that has nothing to do with our reaching out. Le problème, c'est qu'on a créé des cultures dans le monde qui n'ont rien à voir avec ce besoin que nous avons d'aller vers l'extérieur. There's something in each one of you that wants to reach out to really fill out who it is that you are in the world. Il y a quelque chose en chacun de vous qui veut aller rejoindre quelque chose vers l'extérieur pour savoir qui vous êtes vraiment. Not just to get a job. Pas seulement pour trouver un boulot. Not just to fulfill a social position. Pas seulement pour avoir une position sociale. But really to become fully who it is you were put here to be. Mais pour devenir vraiment, complètement la personne que vous êtes là pour devenir. Now how do I know that? Comment je sais cela? I'll tell you how. Je vais vous le dire. I spent about 14 years at the university. J'ai passé environ 14 ans à l'université. Very successful. Avec beaucoup de succès. I'd been trained as a scientist. J'étais formé comme un scientifique. I studied psychology. I had a minor in physiology. I studied the brain, the sensory system, the nervous system. J'ai étudié la psychologie ainsi que la physiologie, donc j'ai étudié le système nerveux. I knew science inside and out. Et je connaissais vraiment la science de fond en comble. My first publication appeared in a journal called Science, which is one of the most difficult ones to publish in. La première publication que j'ai faite est parue dans le journal Science, où il est très difficile de publier un article. C'est extrêmement célèbre. The title of it was something like multiple temperature sensitive spots innervated by a single nerve fiber. Don't worry. No, that's okay. So you see, I know the realm of science. Vous voyez, le domaine de la science, je le connais. But I was very unhappy. Mais j'étais très malheureux. Something was wrong at the university. Il y avait quelque chose qui n'allait pas à l'université. I didn't know what it was. Et je ne savais pas ce que c'était. But I also sensed what I was doing there was not adequate for the students. Mais je ressentais aussi que ce que je faisais là, à l'université, c'était pas juste, c'était pas adéquat pour les besoins des étudiants. They wanted something more or beyond what we were giving them. Ils voulaient quelque chose d'autre, quelque chose au-delà de ce que l'on leur donnait. So I left my position there. I didn't quit it entirely because it had very good health insurance.
Donc j'ai laissé mon job là, je ne l'ai pas quitté complètement parce qu'il avait véritablement une très bonne assurance qui allait avec. But I left for a year to study to become a psychotherapist. Mais j'ai laissé pendant un an pour étudier et devenir psychothérapeute. I was very fascinated by that, so I took a second year then. Et j'étais passionné par ça, donc j'ai fait une deuxième année. And then at the end of that second year, I quit the university totally. Et à la fin de cette deuxième année, j'ai véritablement laissé l'université complètement. And I started doing psychotherapy, even though I really didn't fully know what I was doing. Et j'ai commencé à faire de la psychothérapie, mais je ne savais pas vraiment complètement ce que je faisais. I had moved from one part of the country all the way across the country to Oregon. And donc, j'avais déménagé complètement d'un côté à l'autre du pays. J'étais maintenant en Oregon. Oregon is a beautiful state. Qui est un état magnifique. Mountains, forests, sea coast. Des montagnes, des forêts, le bord de mer. Fresh air. Un air pur. A lot of people started jogging then. Et c'est le moment où un tas de gens commencent à faire du jogging. The man who developed the Nike shoes comes from Oregon. La personne qui a développé les chaussures Nike vient d'Oregon. I started running in some of these runs that they had there. Et donc j'ai appris à courir sur certains de ces parcours qu'ils ont là-bas. I went out and started camping in the mountains. Je suis allé camper dans la montagne. Back to nature. Retour à la nature. Uh-huh. And I started running. Et j'ai commencé à courir. And I used to run every evening 8 miles. Et tous les soirs, je courais environ 8 miles, c'est-à-dire environ 12 kilomètres. I would run up a set of 3 hills. Et donc je courais sur trois collines. That was 4 miles. Ça c'était 4 miles, donc. And then I had to get back, so I ran the 4 miles. Il fallait que je revienne, ça faisait à nouveau 4 miles, à nouveau au moins 6 kilomètres. But coming back was downhill, so that was better. Mais pour revenir, c'était en allant dans le sens de la pente, c'était quand même plus facile. One evening while I was running, et un soir alors que je courais, suddenly in my imagination running alongside me, et soudain dans mon imagination courant à côté de moi, there was an eagle and a bear. Il y avait un aigle et un ours. Very present. Mais très présent. I was shocked. J'étais surpris, choqué. I didn't know what they were doing there. J'avais aucune idée de ce qu'ils faisaient là. And I looked at them and I realized the eagle had come out of my forehead and the bear had come out of my heart. Je les ai regardés et là j'ai réalisé que l'aigle était sorti de mon front et que l'ours était sorti de mon cœur. And the eagle was flying along. Et l'aigle volait. The bear was running along. Et l'ours courait. And I looked at them and I said, where are the rest of my chakra animals? Je les ai regardés et je me suis dit, mais où sont les autres animaux de mes chakras? I didn't know much about chakras. Je ne savais pas grand-chose à propos des chakras. I had met a woman who ran workshops who would talk about the chakras. J'avais rencontré une femme qui faisait des workshops, qui faisait des ateliers où elle parlait des chakras. And since I had been very trained as a scientist, chakras, energies? No, there's the heart, there's the liver, you know, intestines, all of this stuff is there, but energies? No. Et comme j'avais reçu l'entraînement d'un scientifique, les chakras, ça, non. Le cœur, oui, les intestins, le cerveau, tout ça, ça existe, mais les chakras, ça ne disait rien, les énergies non plus. But I would watch her do work in the groups that she ran, and she would go up to somebody and do something like this. Et je la regardais travailler avec les gens dans le groupe. Start crying. Et elle faisait ça, elle faisait des gestes comme ça, des mouvements vers les gens, et la personne commençait à pleurer. And I'd say, what did you do? Et je disais, mais qu'est-ce que tu as fait? And she'd say, oh, the energy was stuck in the solar plexus chakra, so I moved it up into the heart. Elle disait, ah, l'énergie était coincée dans le chakra du plexus solaire, alors je l'ai fait bouger jusqu'au cœur. You know, bullshit. Tout ça, des conneries. But I listened. Mais j'avais écouté. So when these two animals appeared, it was like suddenly there was a question in my mind. Et donc, lorsque ces deux animaux sont apparus, d'un seul coup, il y avait une question dans mon esprit. Because I had learned from her, we have 7 chakras. Parce que j'avais appris de cette dame qu'on a 7 chakras. 7 energy centers. Donc, 7 centres d'énergie. And so when these two appeared, for some reason, I said, well, these must have come out of the chakras. Where's the rest of them? Et donc, lorsque ces deux-là sont apparus, je me suis dit, mais ils sont sortis de mes chakras, où sont les autres? And immediately, there were 7 animals there. Et immédiatement, il y en avait 7. All jogging along with me. Tous en train de courir avec moi.
Big animals. De grands animaux. There was a horse in my throat, a white horse. Il y avait un cheval dans ma gorge. There was a deer in my solar plexus. Un cerf dans mon plexus solaire. And down in my root chakra, there was a little rabbit. Mais dans mon chakra racine, il y avait un petit lapin. A little rabbit. Un petit lapin. And the animals got together, they sat in a circle, and I was sitting there with them in my imagination, even though I was still running. Et les animaux ont fait un cercle, et j'étais dans le cercle avec eux, dans, en imagination, alors qu'en réalité, j'étais toujours en train de courir. And I had no idea what was going on. As soon as they were in the circle, the rabbit looked around and said, I don't belong here. Et j'avais aucune idée de ce qui était en train de se passer. Et dès que le cercle a été fait, le lapin s'y est mis et dit, moi, je n'appartiens pas à ce groupe, je n'ai rien à faire ici. The rabbit said, you are all such big, powerful animals, and I'm just this little weak rabbit, I don't belong here. Vous êtes tous des grands animaux très puissants. Moi, je suis un petit lapin. J'ai rien à faire ici. And the animals just looked at the rabbit, and they all said, "Yes, you belong. You are one of us. You belong with us." Et tous les animaux ont regardé le lapin et lui ont dit, "Mais si, 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 tu fais partie de nous. Tu es avec nous." And so they went around one by one, saying to the rabbit, "We'll support you so that you can grow bigger." Et un par un, ils ont tous dit au lapin, nous allons t'aider et tu vas pouvoir, de façon à ce que tu puisses grandir. And as each one spoke, the rabbit grew a little larger. Et à chaque fois que l'un des autres animaux parlait, le lapin grandissait. The next un one petit spoke, peu plus. The rabbit grew a little larger. Et encore un qui parle et le lapin grandit. After all six had spoken, the rabbit was sitting there about this size. Et après que tous les six aient parlé, present. Le lapin était là, cette taille-là. Here I am, I belong. Eh, hey, me voici, oui, j'appartiens à votre groupe, je suis là. But what happened was a memory came back to me. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un souvenir m'est revenu. Something that happened when I was 5 years old. Quelque chose qui était passé lorsque j'avais 5 ans. I had started school in kindergarten. J'avais commencé l'école au jardin d'enfants. I liked it. J'aimais ça. J'aimais l'école. I already knew how to read a little bit, you know, and I could spell some words. Je savais déjà lire un peu, je pouvais épeler certains mots. My mother's a teacher. Ma mère est professeure. Oh, she was. Enfin, l'était en tous les cas. And I liked kindergarten, it was fine. J'aimais bien le jardin d'enfants, c'était bien. There were about 12 other kids in there, very friendly, they were all my friends. Il y avait environ 12 autres enfants ici, c'était tous mes amis, on s'entendait bien. And I liked school. J'aimais l'école. And then one day, the teacher came to me and she said, you're too smart to be in kindergarten. You belong in the first grade. Et un jour, le professeur est venu vers moi et dit, t'es trop bon pour être au jardin d'enfant, il faut que tu ailles à la classe suivante. I had no idea what was going on. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. She took me by the arm. Elle m'a pris par le bras. Walked me out the door. Elle m'a fait sortir par la porte. Down a long hallway. Et on était dans un long couloir. Opened another door. Elle a ouvert une autre porte. Took me inside. Elle m'a fait rentrer. Sat me in a little seat. Elle m'a fait asseoir dans un siège. I looked around. J'ai regardé autour. There were 30 children in there, all of them bigger and older than I was. Il y avait 30 enfants dans la pièce, tous plus grands, plus âgés que moi. And I felt I don't belong here. Et j'ai senti, mais je n'ai rien à faire ici. And I was terrified. Et j'étais terrifié. I wanted to leave. Je voulais m'en aller. The new teacher wouldn't let me leave. Mais le professeur ne voulait pas me laisser partir. So this memory came back. Et ce souvenir m'est revenu. And I was shocked because I had not remembered it since it first happened. Mais j'étais absolument choqué parce que je m'en étais absolument pas souvenu depuis que j'avais 50 ans. Almost 50 years. Donc il y avait 50 ans qui étaient passés presque. Uh-huh. And I was like, my God, how could I forget that? That was so important in my life. Et je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu oublier ça alors que ça a été tellement important dans ma vie? But as the rabbit grew, mais alors que le lapin grandissait, I could feel draining out of me this old feeling of I don't belong. Je sentais au fur et à mesure qu'il grandissait ce sentiment de mais je n'ai rien à faire ici qui sortait de moi, qui comme ici s'écoulait hors de moi. And each time the animal grew a little more, some more of this old feeling drained out of me. Et à chaque fois que l'animal, que le lapin grandissait un peu plus, quelque chose de ce sentiment s'en allait, me laissait. And by the time the rabbit was this big, I felt I do belong. Et au moment où le lapin a atteint sa taille, j'ai vraiment senti, oui, j'appartiens ici. Je fais partie d'ici. I realized that I had felt that way every time I had started a new class, including my PhD program. I don't belong here.
Et je me suis rendu compte que j'avais ressenti cela à chaque fois que j'avais commencé une nouvelle classe, y compris ma classe de doctorat. So I realized I had been carrying that with me. Et donc j'ai réalisé que j'avais porté cela avec moi. And I'd been seeing the world through that feeling. Et j'avais vu le monde à travers ce sentiment. It was like a feeling that was stuck. C'était comme un sentiment qui était collé sur moi. And I didn't even know the feeling was there. I thought it was the world. Et j'avais aucune idée de ce que ce sentiment était là, bloqué. Je croyais que le monde était comme ça. But it was my feeling. I was seeing the world through. Mais en fait, c'était le monde que je le voyais à travers ce sentiment. And I realized, my God, these animals are the therapists. Et j'ai réalisé alors, mon Dieu, mais ces animaux sont les thérapeutes. They know where I'm injured, even though I don't even remember that. Ils savent que j'ai une blessure alors que moi je ne m'en souviens pas. They know how to heal that old injury without me even asking. Et donc ils savent comment guérir cela sans même que je leur demande. And they did it with such ease. Et ils l'ont fait tellement facilement. Very simple. Tout simple. And I understood, oh wow, these are the teachers I've been searching for my whole life. Et alors j'ai compris, voilà, eux sont les professeurs que j'ai recherchés pendant toute ma vie. People or animals that know me, that are on my side, and that want me to heal and to grow. Des gens ou des animaux qui me connaissent, qui sont avec moi, qui sont de mon côté, qui veulent que je guérisse et qui veulent que je grandisse. So I was thrilled. Donc j'étais vraiment super excité. It was like I found what I had been searching for, even though I didn't realize I had been searching for that my whole life. C'était exactement, je venais de trouver ce que j'avais cherché toute ma vie sans le savoir. And so the next day, I was working as a therapist already in a very small clinic. Et donc le lendemain, je travaillais déjà comme thérapeute, I went to work. Je suis allé travailler. And the first person that came in, I said to him, today we're going to do a little different kind of therapy. Et donc à la première personne qui est venue, je lui ai dit, aujourd'hui on va faire une thérapie un peu différente. Sit down. Assieds-toi. Close your eyes. Ferme les yeux. Focus your attention in your heart. Concentre ton attention dans le cœur. And ask if there's an animal there and watch through your imagination. Et demande-toi s'il y a un animal là et regarde-le à travers ton imagination. The animal was there immediately. Et l'animal était là immédiatement. And so I took him to meet the rest of his chakra animals. Et donc je l'ai emmené comme ça, rencontrer les autres animaux de ses chakras. I realized those animals knew him better than he knew himself. J'ai réalisé que ces animaux le connaissaient lui bien mieux qu'il ne se connaissait lui-même. They knew him better than I knew him. Ils le connaissaient bien mieux que moi je ne le connaissais. And so I realized these are the therapists. Et j'ai réalisé, voilà, eux sont les thérapeutes. And everybody carries their own therapists inside of who they are. Et chacun porte ainsi ses thérapeutes à l'intérieur de ce qu'il est. And my job is to help introduce them to these animals that they carry inside. Et mon job à moi, c'est de présenter les gens à ces animaux qu'ils portent à l'intérieur d'eux-mêmes. I was thrilled. J'étais vraiment super excité, sidéré. So I visited my own animals a lot. I learned a lot from them and about them. Donc j'ai souvent rendu visite, rencontré mes propres animaux, j'ai appris énormément d'eux. And within a few weeks, there was a very interesting situation that occurred. Et en quelques semaines, il y a une situation très intéressante qui s'est produite. There was a woman who I had inherited as a client. Il y avait une femme que j'avais récupérée en quelque sorte comme cliente. Because her therapist had moved away. Parce que son thérapeute avait déménagé. She had been in therapy with this therapist for 5 years. Et elle avait été en thérapie avec ce thérapeute pendant 5 ans. I knew nothing about her. I didn't know what had gone on in their therapy or anything. Je ne la connaissais absolument pas. J'avais aucune idée de ce qui s'était passé pendant la thérapie. But I did find out from her that she was severely depressed. Mais d'elle, j'ai appris qu'elle était très sérieusement déprimée. So that's all I knew. C'est la seule chose que je savais. So I took her to visit her animals. Et donc je l'ai emmenée visiter ses animaux. And one of them shocked me. Il y en a un qui m'a vraiment choqué. And it was the animal in her heart. C'était l'animal qui était dans son cœur. Because it was dead. Parce qu'il était mort. And I thought, oh my God, does this mean she's going to commit suicide? Et alors j'ai pensé, mon Dieu, est-ce que cela, ça veut dire qu'elle va se suicider? And I didn't know these animals well enough to know what was going on. Et je connaissais pas ces animaux suffisamment bien pour savoir ce qu'il se passait. So I did what had happened with me. I called her other animals real quick.
Donc j'ai fait la même chose qui s'était passée avec moi. J'ai vite appelé ces autres animaux. I need some help. J'ai besoin d'aide. And so they came. They all came. Et ils sont venus tous. And they gathered around, standing around this dead dog. Et donc ils se sont mis en cercle autour de ce chien mort. So this woman, my new client, is sitting there in a chair with her eyes closed, and suddenly she just starts crying. Et donc cette femme, mon nouveau client, elle est là dans une chaise assise, avec les yeux fermés, et d'un seul coup, elle se met à pleurer. And I said to her, "What's happening?" Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? And she said, "There's a little baby there." Et elle me dit, il y a un petit bébé là. And I said, "Say hello to the baby and ask what it's doing there." Et je lui dis, dis-lui bonjour, demande-lui ce qu'il fait là. And she said, "I know what it's doing there. It's the baby that I aborted when I was 18 years old." Et elle m'a dit, mais je sais très bien ce qu'il fait là. C'est le bébé dont j'ai avorté lorsque j'avais 18 ans. And so I said to her, "Ask your animals, at least the ones that are alive, what should happen with this little baby." Et donc je lui ai dit, demande aux animaux, au moins à ceux qui sont vivants, qu'est-ce qui doit se passer avec ce petit bébé. And she just started crying more deeply. Et donc elle a commencé à pleurer encore plus. And I said, "What's happening?" Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? And she said, "You have to accept it. You had an abortion." Sorry. You have to accept the fact that you had an abortion. Who said that? The animals said. Yeah. Okay. Et donc les animaux lui ont dit, il faut que tu acceptes le fait que tu aies eu cet avortement. And she just started crying more deeply. "No, I can never accept that. I killed that little baby. That was horrible of me. I shouldn't have done that." Et donc elle a commencé à pleurer de plus en plus en disant, non, je ne peux jamais accepter ça. J'ai fait quelque chose d'horrible. J'ai tué ce petit bébé. Je ne peux absolument pas accepter ça. And I said to her, "Tell the animals that." Et je lui ai dit, dis-le aux animaux. And she said, "They say you have to accept it as a fact. You had an abortion." Et ils m'ont dit, et ils ont répondu, tu dois l'accepter comme un fait. Tu as eu un avortement. And she just kept crying more and more. Et donc elle pleurait de plus en plus. And I'd say to her, "Tell the animals." Et je lui ai dit, dis-le aux animaux. And they'd repeat the same thing to her, "You have to accept it." Et ils lui ont redit la même chose, tu dois l'accepter. And she'd say, "No, I can't, that was horrible of me, I shouldn't have done that." Et elle a dit, non, je peux pas, c'était vraiment horrible ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire ça. And then suddenly there was a teenage boy there, 15 years old. Et tout d'un coup, il y avait là un adolescent de 15 ans. And I said to her, "Ask this boy who he is, what he's doing there." Et je lui ai dit, demande à ce garçon qui il est, qu'est-ce qu'il fait là. And she said to me, "He is the baby, if he had lived, he'd be 15 years old." Et elle m'a répondu, il est le bébé, s'il avait vécu, il aurait 15 ans maintenant. I said to him, "Ask him how he's doing." Demande-lui, lui ai-je dit, qu'est-ce qu'il fait. And she said, "He says he's fine. That I did the only thing I could have done. I was living at home with my parents, out on a farm. They would have never accepted me having an illegitimate child. I did the only thing I could do. I never told my parents about the abortion." Et il dit, et elle a répondu, il me dit que lui va bien et que j'ai fait la seule chose qu'il m'était possible de faire à l'époque. J'avais 18 ans, je vivais dans une ferme avec mes parents. Ils n'auraient jamais accepté la situation. Il me dit que j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. So I said to her, "Ask the boy what needs to happen now." Je lui ai dit donc, demande à ce garçon, qu'est-ce qui doit se passer maintenant. He said, "Everything's fine. You just have to accept the fact you had an abortion." There was no blame in what any of them said. Et il a dit, tout va bien, il faut simplement que tu acceptes le fait que tu as eu un avortement. Il n'y avait absolument aucun reproche, aucun blâme dans ce que aucun d'entre eux ont dit, dans ce que tous ont dit, disons. Finally, she was quiet for a moment, and she said, "Okay, I had an abortion." Et finalement, elle a été calme pendant un moment, et puis elle a dit, "OK, j'ai fait un avortement." When she said that, the dog came back to life. Et au moment où elle a dit ça, le chien est revenu à la vie. And you can see the whole situation there. Her heart was dead. She blamed herself. She hated herself. Et vous pouvez voir toute la situation là. Son cœur était mort. Elle se détestait. Elle se blâmait elle-même. Within 2 weeks, her depression was gone. En 2 semaines, sa dépression avait disparu. And I don't know if the other therapist had even known what was going on with her. I hadn't known anything about her. J'ai aucune idée de. Je ne sais pas du tout si l'autre thérapeute savait ce qui se passait avec elle. Moi, je ne savais rien du tout sur elle.
And she came in one day and she said to me, I need to tell you something. Every single morning for the past 5 years, I would wake up and swear to myself that on that particular day, I would not commit suicide. Faut que je vous dise quelque chose, c'est que pendant 5 ans, je me suis réveillé, she woke up every morning for 5 years. Yes. Before that, while she was depressed. Okay. Donc, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que pendant 5 ans, avant de venir vous voir, tous les jours, le matin, quand je me réveillais, je me disais, non, je ne vais pas me suicider. So she changed. She blossomed. She was radiant after that. She was alive again. Et donc, elle a complètement changé. Elle s'est épanouie, elle rayonnait, elle était à nouveau vivante. So, since that time, this is what I've been working with. Et donc, depuis cette époque, c'est avec ça que je travaille. And what I've learned, and from her particularly, is these are different alivenesses. Et donc, ce que j'ai appris, et en particulier ce que j'ai appris d'elle, c'est que tout ici sont différents types, différentes sortes du fait d'être vivant. The ancient Hindus called them wheels of energy. Les anciens hindous appelaient ça des roues d'énergie. I think for our purposes today, in our culture, we need to recognize they are different alivenesses. Et dans notre culture aujourd'hui, nous devons reconnaître que ce sont différents modes du fait d'être vivant. And one of our jobs is we have to gather these alivenesses and bring them together. Et donc, une des choses que nous devons faire, c'est rassembler ces différentes vies, ces différentes façons d'être vivant et les rassembler, les mettre ensemble. We have a core of aliveness in us that is a single unity, but it needs to be together. Il y a en nous un noyau d'essence vivante, on pourrait dire, d'essence de vie, mais qu'il nous faut rassembler. And we've learned, and we learned as children, to separate these alivenesses out. Et en tant qu'enfant, on a appris à séparer ces différentes façons d'être vivant. And we've learned to judge them. Essences de vie, on pourrait dire. To say some of these alivenesses are good, others are bad. Et donc on a appris à dire oui, certaines sont bonnes, d'autres sont mauvaises. What I've seen in the work that I've been doing then for the last 30 years or more is that we need all of our alivenesses and when we gather them together we come back into balance. Et donc ce que j'ai vu dans ce travail que je fais depuis 30 ans, c'est qu'on a besoin de toutes ces essences de vie en nous. On a besoin de toutes les rassembler et alors on vient à un équilibre véritable. We need all of our alivenesses for our own wholeness. Et il nous faut toutes ces essences de vie, toutes ces façons d'être vivant pour avoir notre complétude. Then we experience our own center. Et alors on peut faire l'expérience de notre propre centre. So this thing about the ego having to go, I think the ego has a job. Et donc ce truc à propos de l'ego qui doit disparaître, etc. L'ego, il a un rôle, il a un job. The ego is the core that needs to survive so that it can gather together the alivenesses that we are, so that we can grow fully into the wholeness and completeness of who we are. L'ego, c'est cette partie à l'intérieur, cette partie des nouées qui doit rassembler toutes les autres essences de vie de façon à ce qu'on soit complet, à ce qu'on trouve notre sens et qu'on soit vraiment celui que nous sommes. Sometimes these alivenesses are very difficult. Et parfois ces essences de vie sont parfois difficiles. Sometimes I work with people who are tremendously frightened. Parfois je travaille avec des gens qui sont terriblement effrayés. But what I've learned is this fright is full of energy, full of aliveness. Mais ce que j'ai appris c'est que cette peur est pleine d'énergie, pleine du fait d'être vivant. As long as it's pushed away, it's not available to the person. Et tant qu'elle est occupée à repousser, elle n'est pas disponible pour la personne. When it's finally brought back into the realm of aliveness, it comes back into its own balance and the person stops being afraid. Et alors une fois que cela revient dans le domaine du fait d'être vivant, alors elle retrouve son équilibre et la personne cesse d'être sans arrêt dans cet état de peur. I've worked with people who come in tremendously angry. J'ai travaillé avec des gens qui sont terriblement en colère. And we go to meet the animal of their anger.
et on va rencontrer l'animal de leur colère. And it's a black panther in a cage walking back and forth and tremendously angry. Par exemple, une panthère noire dans une petite cage allant de long en large, terriblement furieuse. And I say to the person, ask this black panther what it needs from you. Et je dis à la personne, demande à cette panthère noire de quoi elle a besoin de ta part. And they tell me, it says it wants me to let it out of the cage. Et ils me disent qu'il faut que je les laisse sortir de la cage. And I say, are you willing to do that? Et je dis, est-ce que tu es d'accord pour faire ça? And they say, I'm afraid it would do something really dangerous and disastrous if I did. Ils disent, j'ai peur que si je fais ça, elle fasse quelque chose de véritablement dangereux, de désastreux. And I say, tell it that you're afraid it would do something. Je lui dis, dis-lui, réponds-lui ça, dis-lui que tu as peur qu'elle fasse quelque chose. And it says to him, how would you like to be caged like this? Would you be happy and content? Elle répond, est-ce que ça te ferait plaisir à toi d'être en cage comme ça? Est-ce que tu serais contente? And so finally they have a little compassion for it. Et donc à la fin, ils ont un peu de compassion. And then eventually they open the gate and let it out. Et à la fin, elle finit par ouvrir la grille, la porte de la cage, et la laisser sortir cette panthère. And it comes out and they expect it to just be really dangerous, but it shakes itself off. Finally, I'm free. God, I hated that cage. La panthère sort et les gens secouent un peu, enfin se tremblent un petit peu. On sent que la panthère dit, ah, Dieu que je détestais cette cage. So we have judgments and attitudes toward different aspects of who we are. Et donc on a des jugements, une attitude envers les différents aspects de ce que nous sommes. And what the animals have taught me, and they have taught others it also, you have to love every aspect of who you are. Et donc ce que les animaux m'ont appris, m'ont enseigné, et ce que je dis aussi, c'est que il faut apprendre à aimer chaque aspect de qui vous êtes, You need every aspect of who you are. Parce que vous avez besoin de chaque aspect de vous-même. If any part is missing, you're out of balance. S'il y a quelque chose qui manque, vous n'êtes plus équilibré. En équilibre. We need that balance, we need that wholeness. Et nous avons besoin de cet équilibre, de cette complétude. So, what I did was to start writing because I felt that these animals came not just for me, but they came through me to be out in the world. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à écrire parce que j'ai senti que ces animaux ne venaient pas juste pour moi, mais venaient à travers moi pour exister dans le monde. We need them for our own growing, for our own maturation. Nous avons besoin d'eux pour notre propre croissance, le fait de mûrir vraiment. We have to become truly the deep human beings that we are. Nous devons devenir les êtres humains profonds que nous sommes. We've lived on the surface long enough. Ça suffit, on a suffisamment vécu à la surface de nous-mêmes. We're lonely. We long for those depths of who we are in our full aliveness. Nous sommes solitaires et dans le fond, nous appelons, nous avons besoin de cette profondeur qui est à l'intérieur de nous. And we need to relearn to trust who we are. Il nous faut réapprendre à faire confiance à ce que nous sommes. When we were newly born, we trusted who we were. Juste à notre naissance, nous avions une pleine confiance dans qui nous étions. And then we learned little by little to distrust. Et petit à petit, on a appris à ne plus faire confiance, à se méfier. And so trust is one of those things we can also visit as an animal. Et la confiance est une de ces choses que l'on peut rencontrer, auxquelles on peut rendre visite comme un animal. In fact, any aspect we can ask of our imagination, would you show me this? Et donc, nous pouvons demander à notre imagination, montre-moi cela. And then what we need to do is develop a relationship with it. Et alors, ce que nous devons faire, c'est développer une relation avec cet aspect. And that relationship is what heals. Et cette relation est ce qui guérit. And once we've developed the relationship inside of who we are, with all of who we are, there's a natural relationship that happens on the outside. Et une fois que l'on a développé une relation avec ce que l'on est vraiment avec l'intérieur de nous-mêmes, alors il y a une relation qui se produit spontanément avec l'extérieur. We've unfortunately reversed that in what we try to teach our children. Mais malheureusement, on a totalement inversé cela dans ce que nous essayons d'enseigner à nos enfants. You know, we have to teach them, you're beautiful how you are.
Et vous savez, il nous faut le renseigner, mais vous êtes magnifique tel que vous êtes. We have approached them too much from our logic, the logic of our mathematics, of our reasoning. On a approché nos enfants beaucoup trop à partir de notre logique, comme une logique mathématique, à partir de notre raisonnement. There's a different kind of logic that comes out of our aliveness. Il y a une autre forme de logique qui sort de notre vie profonde, du fait d'être vivant. And that logic has its own dimension. Et cette logique a sa propre dimension. And our mathematical logic doesn't understand that. Et notre logique mathématique ne comprend pas cela. Our mathematical logic says to it, you should be like me. Et notre logique mathématique dit, tu devrais être comme moi. And if you're not, there's something wrong with you. Et si c'est pas le cas, il y a quelque chose qui va pas avec toi. So when we go to that realm of the imagination, what I call the deep imagination, because it's beautifully alive, we might meet ourselves as an infant, as a teenager, and as an old man, even older than I am. Et donc, lorsque l'on rentre dans ce domaine de l'imagination, ce que j'appelle l'imagination profonde, alors on peut se rencontrer soi-même comme un enfant, un adolescent ou même un vieil homme. All at the same time. Et tout cela en même temps. Not spread out in time. Pas dans une ligne temporelle, pas le long du temps en quelque sorte. In the moment of our aliveness. Mais au moment là de du fait d'être vivant, dans notre vie même. So, this is why I say to you, we're only alive right now. C'est pour ça que je vous dis, nous sommes seulement vivants maintenant. And my question is, what do I need to communicate to you or with you? How do I need to be with you in this only moment that we have? Et ma question c'est, que dois-je vous communiquer? Comment dois-je être avec vous dans ce moment-là que nous avons maintenant? And I think that's always the question for each one of us. Et je crois que c'est ça, vraiment, toujours la question pour chacun de nous. I think of a situation which I think is very common. There's a little girl in bed, maybe 4 or 5 years old. Je pense à une situation, je pense qu'elle est très commune, une petite fille de 3-4 ans qui est dans son lit. She's been put to bed and she calls, Papa, Papa, there's a monster under my bed. Et donc on l'a mise au lit et elle appelle, Papa, Papa, il y a un monstre sous mon lit. And Papa comes running in. Papa arrive. And he says, oh, come on, look, there's nothing under the bed. Come on, look, you see, there's dit, nothing mais there. Mais non, comment, regarde, tu vois bien, il n'y a rien. So he uses his mathematical logic. Il utilise sa logique mathématique. And tells her she's stupid. Et lui dit qu'elle est stupide. You know, or there's something wrong with her. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. If he were to understand what she's talking about is her fear. Et s'il comprenait vraiment ce dont elle parle, c'est sa peur. He could come in and he could say, wow, I wonder what that monster's doing under there. Et donc, s'il comprenait ça, il pourrait venir et dire, « Oh, mais je me demande bien ce qu'il fait là, ce monstre. » Maybe we should talk to it and ask it, « Hey, monster, what are you doing under there anyway ?» Peut-être on pourrait lui parler, lui demander, « Dis-moi, monstre, qu'est-ce que tu fais là ?» And then he might say, « Wow, it's speaking so silently, I can't really hear it. Can you hear it ?» Il pourrait dire, par exemple, « Mais il parle tellement bas, moi, j'entends pas. Est-ce que toi, tu l'entends ?» And the little girl says, « Yes, he's saying he's lonely. » Et la petite fille pourrait dire, oui, il dit qu'il se sent tout seul. Papa might say, do you think it would be okay for us to invite him to come out from under the bed and come up here and we'll both hug him together? On pourrait dire, est-ce que tu crois que ça serait une bonne idée de l'inviter à sortir de dessous de l'île, venir ici avec nous et puis on lui ferait un câlin et il se sentirait plus tout seul? And the little girl says, sure, yeah, he's lonely. I was lonely here too. Et la petite fille dit, oui, bien sûr, je comprends qu'il se sente un peu tout seul. Moi aussi, je me sentais toute seule. And so the three of them get a beautiful hug there. Et donc, les trois, là, se font un grand câlin. And she can sleep. Et à ce moment-là, elle peut dormir. So there's a whole different logic there that we know in our deeper wisdom, but we've been taught out of it. Et donc, il y a là une logique entièrement différente que nous connaissons dans notre sagesse profonde intérieure. Mais on nous a appris à faire autrement. And that's the difficulty with our language that I first started talking to you about here. Et c'est ça la difficulté avec notre langage dont j'ai parlé quand j'ai commencé à parler au début. There are things our logic and our language doesn't know. Il y a des choses que la logique de notre langage ne connaît pas. But a deeper part of us does know those things. Mais une partie plus profonde de nous-mêmes connaît très bien ces choses-là. And we need to respect that. Et il nous faut respecter cela. That we have different levels of aliveness, different levels of being. Nous avons différents niveaux d'être, différents niveaux d'essence d'être. And one of our jobs in life is to help them all unify themselves so they can function as a totality.
Et un autre travail à faire dans la vie, c'est de les unifier de façon à ce qu'on puisse fonctionner comme un tout. So that whatever part of me needs to come out and do something, all the rest of me supports that. Et quelle que soit la part de moi qui doit aller vers l'extérieur et faire quelque chose, tout le reste de moi l'aide, le soutient. And the part of me that needs to do something comes out and does it and feels totally supported. Beautiful. Et alors la partie de moi qui doit aller vers l'extérieur, faire quelque chose, le fait en se sentant complètement soutenu et c'est super, c'est magnifique. And then when that's done, it goes back. Et une fois que c'est fait, il revient. And says, okay, somebody else needs to be out there. Allez, maintenant, peut-être quelqu'un d'autre, c'est le tour de quelqu'un d'autre de sortir. Ou... Beautiful democracy. C'est une démocratie magnifique. They share. Ils partagent. It's not a dictatorship. C'est pas une dictature. It wasn't supposed to be. Ça a jamais été, ça a jamais censé être l'être. Yet we've learned to make of our logic a dictator. I'm sorry. We. I'm wondering what you did. We have learned that our logic is supposed to be a dictator. Oui, nous avons appris que notre logique est censée être en fait un dictateur. That tells us who we're supposed to be, how we're supposed to do that, how we're supposed to fit in. Qui nous dit comment nous devons nous comporter, qu'est-ce que nous devons être, comment est-ce qu'on doit s'ajuster, s'adapter. Have you ever noticed your thinking has a tendency to give you orders? Est-ce que vous avez remarqué que votre pensée a tendance à vous donner des ordres? You need to go on a diet because you need to lose some weight. Il faut vraiment que tu fasses un régime, tu dois maigrir. And we say, oh yeah, that's what I need et to oui, do. C'est vrai, en fait, on se dit, we're oui, very obedient. On est très obéissant, oui, il faut que je le fasse. But then when we find we can't go on the diet and lose weight, we feel bad about ourselves. Et quand on se rend compte qu'en fait on peut pas vraiment faire ce régime, on perd pas du poids, on s'en veut. Rather than saying to that dictator, who made you the boss? Plutôt que de répondre à ce dictateur, mais qui a dit que c'était toi le patron? Did somebody elect you president? Est-ce que quelqu'un t'a élu président? Nah, we're a democracy in here. Non, non, ici, nous, on est une démocratie. We all get together and we'll see what needs to happen now, in this moment. Voilà, on se réunit et on décide ce qui doit se passer, là, maintenant, à ce moment. We are. We're supposed to be a democracy inside. Nous sommes censés être une démocratie à l'intérieur. So these animals have taken me to Europe. Et ces animaux m'ont amené en Europe. I love Europe. J'adore l'Europe. I was through France, through Paris in 1955. J'ai traversé la France, j'ai traversé Paris en 55. I was going through on a train. There was about a 5-hour delay, so I got in a taxi and it took me around and showed me all of Paris. J'étais dans un train, il y avait 5 heures de retard, et donc je suis monté dans un taxi qui m'a promené dans tout Paris. The Eiffel Tower. La vue de Tour Eiffel. And a good bar to drink a beer. Le bon bar pour boire une bonne bière. That was it. C'était bien. C'était vraiment bien. And so I'm very delighted that the animals brought me here. Donc je suis vraiment très heureux que les animaux m'aient amené ici. I've been training people in this work for that length of time. J'ai entraîné des gens à faire ce travail pendant tout ce temps-là. And the work continues to develop. Et le travail continue à se développer. Because we don't only meet animals. Parce qu'on ne rencontre pas seulement des animaux. There's a woman who trained with me for many years who does a journey every day. Une femme qui a travaillé avec moi pendant de nombreuses années qui fait un voyage chaque jour. And she typically meets Jesus. Et typiquement elle rencontre Jésus. Beautiful. C'est magnifique. Why not? Pourquoi pas? Some people meet Buddha. Il y a des gens qui rencontrent Bouddha. Some people meet Lao Tzu. D'autres Lao Tzu. I've even had people meeting Confucius. Il y en a même qui rencontrent Confucius. Nobody that I know of yet has met George Bush. À ma connaissance, personne dans ce travail n'a encore rencontré George Bush de cette façon. So we're bound to meet anybody. Et donc on peut rencontrer n'importe qui. That is, we are heavily populated inside. C'est incroyable le monde qu'il y a là à l'intérieur. Think of it this way. In your body, there are trillions of cells. Et vous pouvez le considérer la chose comme ça. Dans votre corps, il y a des milliards et des milliards de cellules. Each cell is alive. Et chaque cellule est vivante. And each cell is similar to that mother cell that began the whole trip. Et chaque cellule est semblable à cette cellule mère qui a commencé tout ce grand voyage. These cells need to communicate with each other.
Et ces cellules doivent communiquer ensemble. Elles ont besoin de savoir ce qu'il se passe l'une pour l'autre, l'une avec l'autre. And it's not only those mother cells, but we're also full of microbes. Mais c'est pas seulement ces cellules mères, on est aussi rempli de microbes. There are more microbes in us than there are cells. Il y a encore plus de microbes en nous qu'il n'y a de cellules. They digest our food, they do all kinds of stuff for us. Ils digèrent notre nourriture, ils font plein de choses pour nous. And if those microbes were to disappear, we would die. Et si ces microbes disparaissaient d'un seul coup, on mourrait tout de suite. It is as if life has built upon itself constantly getting more and more complex, and here we are, the ultimate epitome of complexity. Et donc c'est comme si la vie se construisait sur elle-même en devenant à chaque fois plus complexe et voilà, et nous sommes là la pointe de cette complexité en quelque sorte, le sommet de cette complexité. And we don't realize that very recently, within the past 6,000 or 7,000 years, we have gotten kind of stuck in thoughts that have been written down. Et on ne réalise pas que peut-être depuis 6 ou 7000 ans, on est resté coincé dans des pensées qui ont été écrites comme ça. We go back historically and we say, oh, Aristotle said these things, so we need to learn them. I need to make that part of my aliveness and say it again, even on a test, you know. Alors, on regarde l'histoire, on dit, ah oui, Aristote a dit ça, donc il faut que je l'apprenne, que je le sache, et je dois le redonner dans un examen. I'm not against history, I love history. Je ne suis pas contre l'histoire, j'adore l'histoire. But we need to first of all discover who is this person? Who is this person? Who is this person? Who is this person? How do we do that? Mais tout d'abord, il faut découvrir qui est cette personne? Qui est cette personne et celle-ci? On doit d'abord faire cela. Do we go to the authority and say, please tell me who I am? Est-ce qu'on va voir l'autorité pour lui dire, s'il te plaît, dis-moi qui je suis? We'd love to be able to do that. Ce serait bien si on pouvait faire ça. Our thinking would love for us to be able to do that. En tous les cas, notre pensée aimerait bien qu'on puisse le faire. But the adventure of discovering who you are is much more fascinating. Mais l'aventure de découvrir qui nous sommes est tellement plus fascinante. It goes on constantly, step by step, day by day, month by month. Et ça continue constamment, jour après jour, mois après mois. And when you observe yourself change, it's awesome. Et lorsque vous vous observez vous-même changer, c'est fantastique. It's thrilling. C'est complètement passionnant. When you discover aspects of yourself that you didn't know were there, it's amazing. Lorsque vous découvrez des aspects de vous-même que vous ignoriez complètement, vous n'avez pas la moindre idée que c'était là, c'est sidérant. When you discover within yourself a part of your aliveness that loves to create songs and music. Lorsque vous découvrez à l'intérieur de vous-même une partie de votre essence d'être qui adore créer des chants, des musiques, c'est fantastique. We've learned we have to learn to do those things. On nous a appris qu'il fallait apprendre à faire ces choses. No, we have to discover them. Non, il faut simplement les découvrir. You know, for the first few years of our lives, we loved growing. Vous savez, pendant les premières années de notre vie, on adore grandir. Each day we were a little more capable, we could do a few more things, we had more interests, were a little bit larger. Et chaque jour, on devient un peu plus capable de faire quelque chose, on apprend quelque chose, on grandit, on étend nos capacités. And then all of a sudden, one day, instead of growing, we were taught we had to learn. Et un jour, d'un seul coup, au lieu de continuer à grandir, on nous dit il faut qu'on apprenne. And we substituted learning for growing. Et on remplace alors le fait de grandir par le fait d'apprendre. And we spent some of the most beautiful parts of our lives learning. Et alors on passe une partie magnifique de notre vie en fait seulement à apprendre. And the learning involved mostly being obedient to a teacher. Et une grande partie de ce qu'il nous faut apprendre, c'est simplement être obéissant à un professeur. Learning what the teacher told us we were supposed to learn. Apprendre ce que le professeur nous dit qu'on est censé apprendre. I hated school. Je détestais l'école. Until I got to be about 20 and I was in Europe at that time. Jusqu'à environ vers l'âge de 20 ans et j'étais en Europe à cette époque-là. And I started reading. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lire. And I loved reading. Et j'adorais lire. And suddenly I understood, oh my God, school is supposed to be about learning, not about teaching. Et tout d'un coup, j'ai compris, mais l'école, c'est censé être à propos du fait d'apprendre, pas du fait d'enseigner. You know? We're supposed to learn.
On est censé apprendre. We're supposed to grow. We're supposed to discover who we are. On est censé grandir. On est censé découvrir qui nous sommes vraiment. Instead, we learn certain theories that are kind of repetitive and boring. Et au lieu de ça, on apprend des théories qui sont plutôt répétitives et assez ennuyeuses. Like a rat running through a maze, you know. Comme un rat dans un labyrinthe. I got a scholarship once to Harvard University one summer when I was already a professor. J'ai eu une bourse un jour alors que j'étais déjà professeur pour l'université de Harvard. While I was there, B.F. Skinner, you know, the master of operant behaviorism there, gave a talk. Et quand j'étais là, il y avait Skinner qui était un des maîtres du behaviorism qui a donné I was fascinated to hear him. Un talk. So I went to his talk. Donc je suis allé à sa conférence. And he was one of the most boring people I've ever heard. I fell asleep several times and it sounded to me like he was pecking on a disc. C'était vraiment une des personnes qui parlait comme ça et qui était véritablement une des plus ennuyeuses personnes que j'ai jamais rencontrées. On avait l'impression que c'était un disque qui parlait. There was no feeling in it. There was no aliveness there. Il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas de vie dans ce qu'il disait. There was behavior. Il y avait du comportement. This is what he believed in. Et c'est en cela qu'il croyait. So he was of that nature, and that's what I was taught also. Et c'était sa nature. Bon, c'est aussi ce qu'on m'a enseigné. That who we are is a black box in here. Que qui nous sommes vraiment, c'est une sorte de boîte noire là-haut. You put in a stimulus and look for the response. On met un stimulus et on regarde la réponse, la réaction. Something happens and we have a reaction. Quelque chose se passe, il y a une réaction. Carl Jung said, "Hey, it's not quite that simple." Et Carl Jung a dit, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. There is something out in front of us that draws us forward. Il y a quelque chose en face de nous, là, qui nous attire, qui nous appelle. And to me, that's our wholeness, that's the completeness, that's our full aliveness that draws us forth beyond where we've been into a place that we're still going to. Et pour moi, cela, c'est notre complétude, notre vie, notre être profond qui est là et qui nous appelle à aller vers ce que nous sommes vraiment. And this is what the Native Americans do when they send some of their children out on a vision quest. Et c'est cela que font certains des natives d'Amérique du Nord, des Indiens d'Amérique du Nord, lorsqu'ils envoient leurs enfants dans une quête de vision. They send kids 12, 13, 14 years old out. Ils envoient des enfants de 12, 13, 14, 15 ans. You go comme out ça. Alone. Tu y vas tout seul. No food, no water. Pas de nourriture, pas d'eau. Different tribes handle it in different ways. Différentes tribus le font différemment. Some tribes have you go out and dig something that's very much like a grave. Il y a certaines tribus qui envoient ainsi l'enfant creuser quelque chose qui ressemble beaucoup à une tombe. And then you lie in it. Et ensuite on se met à l'intérieur. For 3 or 4 days. Pour 3 ou 4 jours. Calling out for a vision. Et appelant, demandant une vision. Other times you go out into a power spot in the mountains or something like that. Pour d'autres, on va dans un endroit de pouvoir dans les montagnes, quelque and chose you, comme ça. You call for a vision. Et on appelle, on demande une vision. And you don't say, "Hey God, would you send me a vision? I'm waiting here." Et on dit pas, "Hey Dieu, j'ai besoin de vision." J'attends là. I've only got a few days, so would you hurry it up? Et je suis un peu pressé, alors dépêche-toi. No, it's a lament. You cry, "Please, I want my vision. I want to know what's pulling me into the future." Non, c'est pas comme ça, c'est une supplication. On pleure, on demande, on dit j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'une vision, de savoir ce qui m'appelle vers le futur. The vision may come in a dream. Et la vision peut venir dans un rêve. It may come by a bird flying by and stopping there and talking to you. Et ça peut être aussi un oiseau qui vole et qui s'arrête là et qui vous parle. It may come by the wind blowing through the trees and whispering something to you. Ça peut être le vent soufflant dans les arbres et qui vous souffle quelque chose. And then you would take that vision and go back to your tribe and tell the medicine man about it. Et alors vous prenez cette vision et vous retournez dans votre tribu et vous en parlez au medicine man ou au sorcier. And the medicine man would call the tribe together and tell this boy brought back this vision. Et donc le medicine man appelle les membres de la tribu, the tribe, right? Mm-hmm. Et dit voilà, cet enfant a eu cette vision.
And the vision wasn't just for the boy. Et la vision, ce n'était pas seulement pour l'enfant. The vision was for the entire tribe. La vision, c'était pour la tribu tout entière. For their renewal. Pour leur renouvellement. For something new to come in so that they could grow anew. Pour que quelque chose de nouveau arrive, vienne, de façon à ce qu'ils puissent grandir à nouveau. Not so they'd continue doing the same thing over and over. Et pas du tout, pour qu'ils puissent continuer à faire toujours la même chose. There was a continuous renewal of the tribal culture through the young people. Et donc comme ça, à travers les jeunes, il y avait un renouveau continuel de la culture de la tribu. And that's of course what you're doing here. Et c'est bien sûr ce que you're vous faites ici. You're the young people of Europe. Les jeunes d'Europe. Where do we need to go? Où devez-vous aller? What new needs to be brought in? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui doit être amené? What grows forth out of you and who you are? Et qu'est-ce qui grandit hors de vous que vous êtes? If aliveness is the deepest source of who you are, si le fait d'être vivant, cette essence de vie est la source la plus profonde de qui vous êtes, what does it grow in you and through you? Alors qu'est-ce qui pousse en vous et à travers vous? You know, without aliveness, there's nothing else. Vous savez, sans cette essence de vie, sans ce fait d'être vivant, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Aliveness is the source, the creative origin. C'est la source de tout. C'est ça, l'origine créative. And we need to embrace it as fully as we can. Et il nous faut l'embrasser aussi pleinement que possible. Make friends with it. Devenir ami avec elle. Talk to it openly. Lui parler ouvertement. For example, I had a fellow I worked with years ago, a fellow who has a PhD, he's a poet. Par exemple, il y a un garçon avec qui j'ai travaillé pendant des années, il a un doctorat, c'est un poète. And I was taking these people, a group of people in a workshop in New York, to visit their animals. Et j'emmenais un groupe de gens dans un séminaire, un workshop à New York, rendre visite à leurs animaux. And in his heart, there was a rat. Et dans son cœur, il y avait un rat. A skinny rat. Un rat maigrichon. And I said to him, say hello to that rat. Et je lui ai dit bonjour à ce rat. And he said, I won't, I hate rats. Il a dit, pas question, je déteste les rats. My father used to kill them when I was a boy. Mon père les tuait quand j'étais enfant. And I said to him, ask the rat what it needs from you. Et demande au rat de quoi il a besoin de toi, I de said, ta part. The rat wants me to feed it. Et il m'a dit, le rat veut que je le nourrisse. Are you willing to do that? Je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord pour le faire? No, I hate non, this rat. Je déteste les rats. And I said to him, would you be willing to merge into the rat? Et je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord pour fusionner avec le rat? To let yourself merge into the rat so you can feel what it's like to be that rat. Te laisser devenir le rat de façon à sentir qu'est-ce que c'est. Avoir cette expérience, de sentir qu'est-ce que c'est d'être ce rat. Strangely enough, even though he wasn't willing to feed it, he was willing to merge into it. Et étonnamment, alors qu'il ne voulait pas le nourrir, il était d'accord pour fusionner avec. And when he was in it, he said, oh my God, I know this rat. Et une fois qu'il a fait ça, il dit, mon Dieu, mais je connais ce rat. It's a survivor, just like me. C'est un survivant, juste exactement comme moi. And he was thrilled and he felt a kinship with it. Et il était d'un seul coup passionné, il a ressenti un lien très fort avec ce rat. So he then came back out of the rat. Donc il est ressorti du rat. And I said, are you willing to feed it? And I said, yes, I'll feed it. Et je lui ai dit, est-ce que maintenant tu es d'accord pour le nourrir? Oui, absolument. So he started feeding it and the rat became a great big rat. Et donc il a commencé à nourrir, le rat est devenu vraiment très gros. And he loved that rat. Et il adorait ce rat. Yeah, big fat rat in his heart. Il avait un rat dans son cœur. Several years later, he came to me one evening at another workshop in New York. Et plusieurs années plus tard, il est venu me voir à un autre séminaire à New York. At the Omega Center there. Au centre Omega là-bas. And he said, I need you to guide me on a journey. Il m'a dit, j'ai besoin que tu me guides dans un voyage. And I said, good, would you do it in front of the whole workshop group? Because I'm sure they'd learn something from you. J'ai dit, ok, mais est-ce que tu veux bien le faire en face de tout le groupe? Parce qu'ils ont peut-être besoin d'apprendre quelque chose de toi. And he said, no, no, I have to do it alone. Et il a dit, non, 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 il faut que je le fasse tout seul. I didn't know what was going on. J'avais aucune idée de ce qui se passait. So he came to my cabin in the evening. Donc il est venu me voir le soir. I had him lie down. Je l'ai fait s'allonger. Close your eyes. Ferme les yeux. Focus your attention in your heart. Concentre ton attention dans le cœur. And ask if the rat will come back. Et je lui ai demandé si le rat pouvait revenir. Because I knew it had to do with the rat. Parce que je savais que ça avait quelque chose à voir avec le rat. And I said, ask the rat what needs to happen.
Et je lui dis, demande au roi qu'est-ce qui doit se passer. You see, I have no idea what needs to happen in these situations. Oui, j'ai aucune idée moi de ce qui doit se passer dans ces situations. And he said, the rat wants me to follow it. Wants me to follow it. To follow it, yes. Il m'a dit, le rat veut que je le suive. And so the rat started going on and on, and he followed it. Et donc le rat a commencé à bouger, à avancer. Il l'a suivi. And suddenly he said, oh my God, I don't want to go there. Et tout d'un coup, il dit, non, mon Dieu, là, je veux pas y aller. I said, where? J'ai dit, où ça? He said, he's trying to take me back to my childhood home. J'ai dit, il essaye de me ramener à la maison de mon enfance. I said, tell him you don't want to go there. Dis-lui que tu ne veux pas y aller. And the rat was very, very good rat. Oh, come on, just another step. Le rat était vraiment très brillant. Il a dit, oh, come on, voyons, allez, juste encore un petit pas. And so he went a couple more steps. No, 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 no further. Et donc, il a fait encore deux, trois pas, et puis il a dit, non, moi, je ne peux pas avancer plus loin. Tell the rat you don't want to go any further. OK, dis-le au rat que tu ne veux pas avancer. It's not up to me to do anything in these. It's up to him and his relationship with this part of his aliveness. I wouldn't know what needs to happen. C'est pas à moi de faire quelque chose. J'ai aucune idée de ce qui doit se passer. C'est vraiment entre lui et Sora, entre lui et cette partie vivante de lui. And so little by little, with this resistance, he got closer and closer to the house. And then the rat wanted him to go around a corner. No, I don't want to go around that corner. Petit à petit, malgré sa résistance, il s'est rapproché de cette maison. Et là, le rat voulait qu'il passe l'angle de la maison. And finally, he got around the corner. It took about an hour or two for him just to get to the house and around the corner. Et finalement, il est allé jusqu'à la maison. Il a fait le tour de l'angle de la maison, et ça a pris une heure, tout ça. And then he said, "Oh my God, I don't want to see this. I don't want to see this." Et il m'a dit, "Mon Dieu, non, je veux absolument pas voir ça." And I said, "What's there?" Et je lui dis, "Qu'est-ce qu'il y a?" He said, "There's a dead baby." Il m'a dit, "Il y a un bébé mort." I said to him, ask the rat what needs to happen with this dead baby. Je lui dis, demande au rat, qu'est-ce qui doit se passer avec ce bébé mort? Rat tells me to pick it up. Le rat me dit de le ramasser. Are you willing to do that? Est-ce que tu es d'accord pour le faire? I don't want to, but I'm willing to. Non, j'ai pas envie de le faire, mais je veux bien le faire quand même. So he picks up the baby. Et donc il ramasse le bébé. And I say, ask the rat what needs to happen now. Et je lui ai dit, demande au rat ce qui doit se passer maintenant. And he says, the rat says, I need to breathe new life into this baby. Et le rat me dit que je dois insuffler une nouvelle vie dans ce bébé. And so he put mouth to mouth on the baby and started breathing into him, and the baby came back to life. Et donc il a mis sa bouche contre la bouche du bébé, il a commencé à respirer comme ça dans la bouche du bébé, et le bébé est revenu à la vie. And he cried and cried and cried. Et il a pleuré. And something deep healed in him. You can see the baby was a part of him that had died. Et quelque chose de très profond en lui a guéri comme ça. On peut voir, bien sûr, que ce bébé était une partie de lui qui était morte. He'd grown up in a family with four brothers, and he was the youngest. Il avait grandi dans une famille de quatre enfants. Il était le plus jeune. Very masculine family. Une famille très masculine. He grew up to be a poet. Et lui, il est devenu poète. He became an alcoholic, and he smoked like a chimney. Il était alcoolique, il fumait des cigarettes comme un sapeur. And once that baby came back to life, he stopped drinking, he stopped smoking, he gained some weight, he became a Buddhist. Et une fois que ce bébé est revenu à la vie, il a arrêté de boire, il a arrêté de fumer, il a perdu du poids, il est devenu bouddhiste. Every year he calls me. Et chaque année il m'appelle. And he says to me, "Steve, you saved my life." Et il me dit, "Steve, tu m'as sauvé la vie." And I say, I didn't save your life at all. Your rat saved your life. Et je dis absolument pas, j'ai rien fait, j'ai pas sauvé ta vie, c'est le rat qui t'a sauvé la vie. Which is the truth. Ce qui est la vérité. And so we have these different dimensions in us. We don't really know what's happened to us. Just like I didn't remember what had happened to me in kindergarten. Et donc nous avons toutes ces dimensions en nous, nous ne savons pas vraiment ce qui nous est arrivé. De la même façon qu'il m'était arrivé cette chose au jardin d'enfants. I think if we remembered all of our injuries, we'd probably give up. Je crois que si on se souvenait comme ça de toutes nos blessures, on abandonnerait. My animals took me back through healing injury after injury after injury. Et mes animaux m'ont amené ainsi à guérir blessure après blessure après blessure. And they took me into dying also. They took me into, sorry. Dying. Oh, yeah. Et la mort. ils m'ont amené à la mort également, à travers le fait de mourir. Exactement. I went to visit my animals once. I said, "What needs to happen here? Because I don't know what's going to happen." Je rends visite à mes animaux. Je dis, voilà, qu'est-ce qui doit se passer? They said, "It's time for you to die." Ils m'ont dit,
Voilà, c'est le moment maintenant pour toi de mourir. I said, go tell everybody you love that you're going to die. Donc, va dire à tous les gens que tu aimes que tu es sur le point de mourir. Say goodbye to them. Dis-leur au revoir. So I went around, I said goodbye, and I really felt, wow, I'm saying goodbye to these people I really care for, and I'm going to die. Donc, j'ai fait le tour, et j'ai dit au revoir à tous ces gens, et je ressentais vraiment que je leur disais au revoir et que j'allais mourir. And then they took me, laid me down in a coffin. Et donc, ils m'ont pris, ils m'ont allongé dans le cercueil. And I'm lying there. Et moi, je suis là, allongé là. And I don't know if I'm really going to die or not. Et je ne sais vraiment pas si je vais vraiment mourir it's ou pas. A question. C'est une question. But if I do, it's okay. Mais si c'est le cas, c'est okay. So I lie there for a good while. Et donc, je reste allongé ici pendant un bon moment. Then suddenly I open my eyes and sit up. Et d'un seul coup, j'ouvre mes yeux, je m'assois. And I come back into my normal life. Et je reviens dans ma vie normale. But I recognize something has changed. Mais je me rends compte que quelque chose a changé in me, en moi. I've let go of certain things that I used to cling to. J'ai lâché quelque chose auquel je m'accrochais. I'm no longer clinging. Je ne m'accroche plus. I don't know if you know this Buddhist orientation. We have to give up clinging. Je ne sais pas si vous connaissez cette façon de parler assez bouddhiste, de dire il faut lâcher prise de notre façon de s'accrocher aux choses. It's a sense of I have to have this and I have to have that and I am this person. All of those things that we cling to, an identity. Cette façon de dire voilà, il me faut ceci, il me faut cela, je suis cela, toutes ces choses auxquelles on s'accroche. So they've taken me 5 or 6 times into my dying. Et ils m'ont fait comme ça, ils m'ont amené dans ce processus de mort au moins 5 ou 6 fois. Each time there's been something I've let go of that I didn't even realize I was clinging to. Et à chaque fois, j'ai laissé aller, j'ai lâché prise de quelque chose dont je ne me rendais même pas compte que je m'y accrochais. I used to restore old country antique furniture. I loved doing that. Par exemple, je restaurais des vieux meubles antiques de campagne. En fait, j'adorais faire ça. I loved finding a good piece that was a beautifully made piece that had been painted a number of times, and people thought it was just kind of a piece of junk. And I'd buy it, take it home, take all the paint off of it, you know, bring out the original patina in it, and just restore the beauty to it. I loved doing that. J'aimais bien trouver une vieille pièce, un vieux meuble qui avait été peint, trafiqué, etc. Et puis le restaurer à sa beauté initiale. J'adorais ça. There was even one piece I remember. It was in an antique shop, and it was very expensive. Il y en a une dont je me souviens qui était une pièce dans un magasin d'antiquité extrêmement chère. I couldn't afford to buy it. Je n'avais pas les moyens de l'acheter. So I'd lay in bed at night thinking about how could I go over there and sneak in and steal that piece. Et donc le soir parfois j'étais dans mon lit, j'ai comment est-ce que je pourrais bien peut-être y aller et puis m'emparer de cet objet. If I loved it, I had to have it. Puisque je l'aimais, je le voulais, il fallait absolument que je l'aie. But after one of these times of dying, I came back. I went to an antique shop and I went all the way through and there was nothing I had to have. Mais après une de ces fois où j'ai traversé ainsi le fait de mourir, eh bien je suis allé dans un magasin d'antiquité et il n'y avait rien que j'avais vraiment besoin d'avoir. So we die in different ways. Donc il y a différentes façons de mourir. What is dying? C'est quoi mourir? The older I get, the more curious I get about that. Et plus je vieillis, plus je suis curieux à ce propos. And I have my own ideas and my own thoughts. J'ai quelques idées à ce propos. They're not frozen. Elles ne sont pas congelées. It's something I'll discover as an experience when it happens. Mais c'est quelque chose que je découvrirai comme une expérience lorsque cela se passera. And this is what we've been missing in our lives, the experience of who we are, not the thoughts about who we're supposed to be or who we should have been or how we were treated, but the experience of being. Et c'est ça qui nous a manqué dans notre vie, l'expérience de qui nous sommes. Pas ce que l'on pense à propos de ceci, de cela ou de nous-mêmes, mais l'expérience d'être. And it's a thrilling thing. Et c'est absolument fascinant. And it should be for everyone. Et ça devrait vraiment être pour tout le monde. Everyone should be totally thrilled with who they are. Et chacun devrait vraiment être fasciné par qui il est. So that you're just charged with aliveness like a battery. Et juste vous êtes complètement superchargé de vie comme une batterie. And the place you plug the battery in is in your imagination. Et l'endroit où vous branchez la batterie, c'est dans votre imagination. You know, there are certain cultures that instead of visiting animals,
They visit their ancestors, their dead ancestors. Vous savez, dans certaines cultures, au lieu de visiter leurs animaux, ils visitent leurs ancêtres. Ils rendent visite, pardon, à leurs ancêtres. The Japanese, the Chinese, Africans. Les Japonais, les Chinois, les Africains. That's where their imagination lives. C'est là où vit leur imagination. Mm-hmm. We've gotten away from it because we've been taught that somehow it's false. Nous, nous nous sommes éloignés de ça parce que on nous a enseigné d'une certaine façon que ça c'était faux. It's something we're making up. C'est quelque chose qu'on invente, qu'on fabrique. I don't know if you know the movie by Bergman, Ingmar Bergman, who Fanny and Alexander. Have you ever seen? Je ne sais pas si vous connaissez ce film de Ingmar Bergman, Fanny et Alexandre. Beautiful, one of the finest movies there is. Magnifique film. This young boy who is full of imagination, very creative. His father dies, and his mother marries a pastor. Donc ce jeune garçon qui est plein de vie, plein d'imagination, son père meurt et sa mère se remarie avec un pasteur. And so they move from this big mansion where they lived with the husband's grandmother, the husband who had died, his mother, in this lavish place that's very colorful and kind of magical, and they move in with this pastor who lives in a place that's black and white. Donc ils déménagent en fait de cette magnifique demeure où ils vivent avec la grand-mère, c'est-à-dire la mère du père qui est mort. Et c'est une demeure magnifique, pleine de couleurs, etc. Et ils déménagent et ils vont dans cette petite maison du pasteur qui est toute en noir et blanc. And it's full of rules. Et il y a plein de règles là-bas. What's right and what's wrong. De ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. And so this boy comes home from school one day, you know, and his stepfather takes him aside and says, I need to speak to you. Et donc ce petit garçon revient de l'école un soir et son beau-père le prend à part et lui dit, il faut que je te parle. We've been told that you were telling lies at school. On m'a dit que tu racontais des mensonges à l'école. And the little boy says, lies? Me? I don't tell lies. Le garçon dit des mensonges. Moi, non, je ne dis pas de mensonges. Yes, we were told that when the circus comes through in the summer, you're going to get a job with it and go away with the circus. Et, si, on m'a dit que tu dis que lorsque viendra le cirque cet été, tu vas repartir avec eux, avec le cirque. I mean, beautiful imagination. Une imagination magnifique. And the pastor says, that was a lie, you lied. Et le pasteur dit, ça c'est un mensonge, tu as menti. And so he makes him lean over a table and beats him. Et donc il le penche sur une table et il le bat, il le fouette. So sometimes we are treated as if our imagination were a lie, it's not a lie. Et parfois, nous avons été traités comme si notre imagination était un mensonge. Our imagination is a beautiful gift. Notre imagination est un don magnifique. Very close to our aliveness. Qui est très près de notre our de thinking notre vie. Has not known how to have a good relationship with it. Notre pensée n'a pas su avoir une bonne relation avec elle. But in us, there is a longing to be back home with that part of who we are. Mais en nous, il y a une nostalgie, un besoin de rentrer chez soi avec cette vie, avec cette partie de nous-mêmes. To come to that place where we are at home in who we are with ourselves, wherever we might be in the world. De revenir à ce lieu où nous sommes chez nous, avec nous-mêmes, avec qui nous sommes vraiment, où que nous soyons dans le monde. Especially if we're in Paris. Et en particulier si nous sommes à Paris. There's plenty else I could talk about, but my sense is for us to stop for a little while. Wasn't there going to be, I don't know, what's the time? It's about 9:15. 9:15? Yep. Uh-huh. I think there was going to be a question and answer or something. Or donc on pourrait continuer, mais mon sentiment, c'est plutôt de s'arrêter maintenant, et puis peut-être il y a des questions-réponses. Let me just ask if you have. No? Yes. Okay. Do you have any other idea to imagine another story like animals, but something else, but animals to cure people with another story, another way of thinking the part of us? I trust what comes up. Je fais confiance à ce qui se présente. Yeah. I call for an animal, but it's not always an animal that comes up. J'appelle un animal, mais ce n'est pas toujours un animal qui se présente. And so I trust whatever shows up. Et donc, quoi que ce soit qui se présente, je lui fais confiance. My thoughts are that animals mostly show up because if you look at the external world,
aliveness is displayed in more of a variety as animals than as anything else. En fait, si vous regardez le monde extérieur, la vie, le fait d'être vivant, est démontré par le monde animal dans beaucoup plus de formes, de façons différentes que par n'importe quoi d'autre. So there's the greatest possibility of us being shown the complexity of our aliveness through animals. Et donc, il y a à travers les animaux, peut-être la meilleure possibilité qu'on puisse nous montrer la complexité du fait d'être vivant, de notre état de vie, à travers justement la complexité du monde animal. Years ago, somebody asked me, how come we don't have stones there instead of animals? Il y a des années, quelqu'un m'a dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas des pierres ici, par exemple, plutôt que des animaux? I said, well, stones aren't quite as alive as animals. Je dis, les pierres ne sont pas tout à fait aussi vivantes que les animaux. And animals can be very mysterious too. Et les animaux peuvent être très mystérieux aussi. I'm quite amazed at the number of people who might meet a spider in one of their chakras. Et je suis vraiment étonné du nombre de gens qui peuvent rencontrer, par exemple, une araignée dans un de leurs chakras au cœur, par exemple. And especially people who are afraid of spiders. Et en particulier les gens qui ont peur des araignées. But then what that tells me is, wow, they're afraid of this aliveness also. Et ce que cela me dit, c'est qu'ils ont peur aussi de cette intensité de vie. And so as they learn to love the spider, they learn to love that aspect of their aliveness, which is very mysterious. Et donc en même temps qu'ils apprennent à aimer cette araignée, ils apprennent à aimer cette partie d'eux-mêmes qui est intensément vivante. And by then, they also learn to care for spiders that they see out there. Et de la même façon, ils apprennent aussi à avoir une relation avec ces araignées qui sont là à l'extérieur et yeah. So it's very bien les aimer en quelque sorte. It's very beautiful. It's like we heal our relationship with animals as we heal this relationship within ourselves. Et donc c'est vraiment très beau parce que c'est comme si on guérissait notre relation avec ces animaux en même temps que l'on guérit la relation avec cette partie de nous-mêmes. As I've gone through my work, there are certain places, certain alivenesses that culturally, we seem to have difficulties with. Alors, quand je revois mon travail, il semble qu'il y ait certains endroits de vie avec lesquels on a un peu de difficulté à se relier. For example, one of the places is the animal of the throat. Un des endroits un peu difficiles, c'est l'animal de la gorge. We don't really honor our need to express. On n'honore pas vraiment notre besoin de nous exprimer. We're taught that that has to be in a certain form. Et on nous apprend que ça doit seulement se faire dans un certain format, une certaine forme. In words. En mots. Not in tears, not crying, not yelling, not roaring. Pas avec des larmes, pas en pleurant, pas en criant, pas en rugissant. Sometimes people meet an animal, you know, a lion, and it says you need to roar like I roar. Parfois, des gens rencontrent un animal comme un lion qui leur dit « Il faut que tu rugisses comme moi, je rugis. » This part of our aliveness doesn't get the exercise and the full expansiveness that belong to it. Donc cette partie de notre vie n'a pas tout l'exercice, la possibilité de s'exprimer qui va avec. One of the things that I noticed early on, years ago, was that in women, this solar plexus animal usually is having some difficulty. Une des choses que j'ai remarquées depuis des années, c'est que souvent, chez les femmes, cet animal du plexus solaire a souvent des difficultés. Sometimes this is called the power animal. It's an animal of action, precise, direct, specific action. Parfois, c'est un animal de pouvoir, d'action, très précis, très direct. But this was years ago. I have a feeling things have changed a lot since then. Mais ça, c'était des années. J'ai l'impression que les choses ont changé maintenant. I've met plenty of powerful women. J'ai rencontré plein de femmes très puissantes. More and more, actually. Et de plus en plus. That's beautiful to see. C'est magnifique à voir. People coming into their own power. Les gens prenant possession de leur propre pouvoir. And we've lived in a divided society long enough, you know? On a vécu suffisamment longtemps dans une société divisée. So everybody needs to participate in what goes on. Et donc tout le monde doit participer à ce qui est en train de se passer. Yes. Other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes. Just a question. What is your protocol? What is the protocol with which you work? C'est bien ça la question aussi. Ah.
And also about the states of consciousness, she says she imagines there is something linked to regression in a way. And can you say something about this? States of consciousness, various states of consciousness. And, or is it just imagination? The person has to be relaxed. Faut que la personne soit relaxée. Mm-hmm. And I usually take them through a process of relaxation. En général, je leur fais passer par un processus de relaxation. And of connecting with nature. Et de se relier à la nature. Breathing in the sky. Respirer dans le ciel. Being held by the earth. The things that are really going on. Portées par la terre, des choses qui se passent effectivement. And so that's it. It's not anything special. There's no kind of hypnotic state that I try for, anything like that. Donc c'est tout. Il y a rien de particulier. Il y a pas d'état hypnotique. There needs to be a shift in their focus. Par contre, il doit y avoir un changement dans leur concentration, dans là où porte leur attention. And it can depend. For example, years ago in Boston, I worked with a man who had been out looking at properties to buy. Donc ça peut dépendre. Il y a des années, j'ai travaillé à Boston avec une personne qui avait cherché des maisons à acheter. And then he came to see me for a session right after that. Donc il est venu me voir pour une session juste après ça. And his head was still full of prices and properties and all of these things. And I told him, we can't journey. When we can? We cannot journey. Uh-huh. Et donc son esprit était plein de maisons, des prix, etc. Je lui dis, on ne peut pas voyager comme ça. So his focus was on thinking. And the focus needs to shift to imagination. We can also place our focus on feeling, for Parce example. Que son attention était sur la pensée, et pas sur le sentiment, sur la sensation. And sometimes that happens. For example, we might ask a person to go, say, to call the belly animal. Et donc, ça peut arriver. Parfois, on peut demander à une personne d'aller voir l'animal de l'ombilic, du nombril. And they say instead, oh, I'm very confused, I can't find an animal, nothing comes, and I feel angry about it, and I know I'm not doing this right. Et donc, parfois, ils disent, ah oui, mais non, ça marche pas, j'arrive pas, il n'y a pas d'animaux là, et je suis en colère, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui va pas. So I say, would it be okay to go through this feeling as if it were a passageway? Et je dis, est-ce que ce serait possible de passer à travers cette sensation, ce sentiment, comme si cela même était le passage. Et quand ils font cela, alors lorsqu'ils arrivent au bout de ce passage, alors là, il y a l'animal. And what this tells me is, instead of honoring the feeling in the belly, they were made to feel confused about it, and you're not feeling the right thing, you know, and all kinds of confusing instructions. Usually from parents. Et donc, ce que cela me dit, c'est qu'au lieu d'honorer cette sensation ici, on leur a appris à s'en méfier, à la repousser, et souvent, cela, ça vient des parents. So that's what stands in the way of their awareness and the imagination. And they have to go through it to get to the image. Et c'est ça qui barre la voie, en fait, à leur imagination. Ils doivent traverser cela. So it's a matter of really listening to them and listening to them tell what is happening. Sometimes they'll tell what's not happening. There's no animal here, you know. C'est vraiment à propos de les écouter, à propos de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas. Parfois, ils disent non, là, il n'y a pas d'animal, il n'y a rien. No, there's no animal here. I try and there's no animal. J'essaie, il n'y a pas d'animal. And finally, when I question very specifically, the fellow says, well, there's an ear of a horse, but I want the whole horse. Et parfois, en posant des questions très spécifiques, quelqu'un peut dire, ah si, il y a l'oreille d'un cheval, mais je veux le cheval tout entier. And I say, you have to talk to the ear first and ask it, where's the rest of you? Et je lui dis, il faut que tu parles d'abord à l'oreille et tu lui demandes où est le reste de toi. So we have expectations. Donc on a des attentes comme ça. And we've had expectations placed on us by parents, by teachers, by all kinds of people. So we expect certain things of who we are, rather than really observing what we do, how we function, how we think, what we feel. Et donc ces attentes ont été placées en nous souvent par les parents, les professeurs, etc. Et on fonctionne avec ces attentes au lieu d'aller voir vraiment qui nous sommes, comment nous fonctionnons vraiment, etc. Did you have a question? Yes. Thank you, first of all, for being here, and thank you for what you're saying. Thank you for being here. Non, c'est bon. Ah,
C'est, non, par contre, si tu peux faire des phrases plus courtes, ça va me permettre de travailler. D'accord, ok. I really feel connected with what you're saying. Je me sens très connecté à ce que vous dites. My friend being my friend, my best friend, so we're connected. So she said two of the questions. She asked two of the questions already, so that's okay. Great. Donc, mon ami il sent aussi très connecté. Elle a posé deux questions déjà. Deux des questions que j'avais, en fait. C'est, elle a posé les deux questions que j'avais. Donc. Okay. Donc, j'en ai plus qu'une à me souvenir qui est. I've been looking into animal chakras in animals, literally in animals. Ah, good. Because I have this cat and he fell off the balcony. Just one sec. Three floors. Donc, en fait, moi j'ai regardé les chakras des animaux. Parce qu'en fait, j'ai ce chat qui est tombé un jour du balcon, sur trois étages. Voilà. Wow. His name is Chi. So, you know, he's like a chipmunk. You know what? Oui, voilà. Peut-être tu peux traduire toi-même, comme ça sera plus, ça sera mieux ce que tu veux dire. Hein, si tu peux te traduire toi-même. Maybe they have humans, who knows? Oui, vas-y. Si, je voulais savoir ce qu'il pensait des chakras dans les animaux, parce que ça m'intéresse beaucoup. S'il avait déjà soigné les animaux, les chakras des animaux, et si les chakras des animaux avaient des animaux. I have not worked with chakras in animals. J'ai pas travaillé avec les chakras des animaux. The closest I've come to it is I worked with somebody years ago who had an animal in each chakra and then at the crown chakra there was a butterfly. Le plus près que je m'en suis approché, c'est que j'ai travaillé une fois avec quelqu'un qui avait un animal dans chaque chakra et au chakra couronne, il avait un papillon. And when they all got together in a council, all of the animals said, "How can you lead us? You're this little wispy butterfly, you know, we're these big strong animals. How could you be our leader?" Et quand ils sont tous réunis en une sorte de cercle ou de conseil, tous les animaux, ils ont dit, mais comment est-ce que toi, tu peux être notre leader alors que tu es juste un tout petit papillon de rien du tout et nous sommes des animaux puissants. And the butterfly said to them, you each have seven chakras and I lead you by leading you the crown chakra for each one of you. Et à ce moment-là, le papillon a dit, vous avez chacun de vous a sept chakras et je vous guide en guidant le chakra couronne de chacun de vous. But that's the closest I've come to it. Voilà, ça c'est le plus proche que je sois à que j'ai été de cela, de cette idée. You're welcome. Yes. Bonjour. Je voudrais savoir si quand vous êtes en train de travailler, si vous voyez aussi vos animaux totems. I'd like to know when you. Animaux. I'd like to know when you're working. Do you also see your own animals? I have an animal that is there with me usually. J'ai en général un animal qui est là avec moi. It's an animal that helps me guide. C'est un animal qui m'aide à guider. And in the training that I do, I teach people. People go to meet a guiding animal that can sit with them while they're guiding and can nudge them or wake them up if they fall asleep and things like that. Et donc dans l'entraînement que je fais, j'entraîne les gens à aller chercher un animal qui va les aider, qui va les guider, les réveiller s'ils s'endorment, etc. Or also when people at the end of a workshop, for example. When people go home, usually I have them call an animal that can accompany them home. Souvent aussi à la fin d'un séminaire, lorsque les gens s'en vont, je leur demande d'appeler un animal qui va les accompagner jusqu'à la maison. And sometimes they have interesting stories. One of them had a giraffe once, and she said she had to open the skylight on the car so it could stick its neck out of her going home. Had a what? Had a giraffe. A giraffe. Il y avait une fois des choses amusantes. Une fois, il y en avait un qui avait une girafe comme ça pour l'accompagner à la maison. Il m'a dit qu'il était obligé d'ouvrir le toit ouvrant de sa voiture pour que la girafe puisse passer son coup. And these are animals that are supposed to help them get home safely. And so sometimes they warn them about be careful on this traffic over here because it's a dangerous stretch, things like that. Et donc ces animaux sont censés les aider à rentrer chez eux. En toute sécurité. Et parfois, ils les préviennent, effectivement, attention, fais attention ici, là, il y a un carrefour dangereux, etc.
There are other interesting things I've gotten into through this work. A lot of them have come from people in my classes who ask me a question. Like somebody asked me once, I was working with the animals for the four ways of knowing, thinking, sensing, feeling, and imagination. And they said to me, what about doing? Isn't doing also a way of knowing? I said, hey. Il y a beaucoup de... Non, sorry. That was a little long. Il y a beaucoup de choses que... Beaucoup de choses que je, dans lesquelles je rentre ou qui me sont apportées aussi par les gens avec qui je fais les séminaires. And then, can you say the second part of this? I forgot what I said in the first part. That was already long for you, I'm sorry. Yes. Et donc, but yeah. And so I said, let's try it and see. Okay. Call an animal of doing and donc, see who comes. Et donc, quelqu'un m'a demandé un jour si... Sorry. Ah si... Voilà, en plus des quatre façons d'apprendre, si on ne pouvait pas aussi savoir avec le fait de faire. Et j'ai dit, bon, ben, très bien, on peut, essayons. I see I'm going to have to learn French. Yeah. That was a long sentence. alors, and les, voilà, sensing les, and feeling and imagination. I've written alors, les quatre façons... Je suis un peu perdu. Pardon. I've written a book about that. It's out in French. J'ai écrit un livre à propos de ça. It's called Animals of the Four Windows. Ça s'appelle Les animaux des quatre fenêtres. Donc, les quatre portes qui sont donc... so the four doors. Four windows. The four windows are... Thinking, la pensée. Sensing, la sensation. Feeling, le sentiment. And imagination. Et l'imagination. Oh. And there may be others. So it's clear. Il peut y en avoir d'autres. I've never studied you. Je vous ai jamais étudié vous. I don't, you could have some ways of knowing that I don't know about. How would I know? Ça pourrait que vous ayez une façon de savoir, de connaître que and, je n'ai pas et dont je n'ai jamais entendu parler. And this is what I'm saying about when something gets written, we take it as being true for us. But it may not be. Et c'est ce que je dis, quand quelque chose est écrit, on pense, on le prend pour vrai, pour nous. Mais c'est pas forcément le cas. We have to explore and discover for us. What's true for me? Il nous faut explorer et découvrir par nous-mêmes qu'est-ce qui est vrai pour moi. And to me, that's what should be done in the thing we call school. Et selon moi, c'est cela qu'on devrait faire dans ce que l'on appelle l'école. And instead of calling it school, we could call it Adventures in Self-Discovery. Et au lieu de l'appeler l'école, on pourrait appeler ça aventure de la découverte de soi-même. So I was going to talk about one other thing. Donc je voulais parler d'une autre chose aussi. And that is that what I found very early on was that the animals between two people can meet each other. Et c'est qu'une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que les animaux chez deux personnes peuvent se rencontrer. And when you watch that happen, it's very fascinating. Et quand vous regardez cela se passer, c'est absolument fascinant. It's like getting an X-ray view of their relationship. C'est comme avoir une vision X au rayon X de leur relation. And this is very important. For example, people usually think I have a relationship with you. Et ça, c'est très important parce que souvent les gens pensent j'ai une relation avec toi. But that's very simple. Ça, c'est très simple. Instead, what we see is my crown animal has a relationship with your crown animal. Bien. Et au lieu de ça, ce qu'on voit, c'est que voilà, mon animal du chakra couronne a une relation avec le tien. My forehead animal has a relationship with your forehead animal. Et ainsi de suite, de même pour le centre ici entre les sourcils. My throat animal has a relationship with your throat animal. Mon animal de la gorge a une relation avec ton animal de la gorge. And sometimes when a couple is having difficulties and we take a look at these relationships, we find there's only one or two that are having problems and the person identifies totally with the problems rather than saying, oh, you know, my belly animal is having trouble with your belly animal. Huh. Parfois, quand des personnes ont des problèmes entre elles, on se rend compte en faisant ce travail que c'est parfois seulement un ou deux animaux qui ont des problèmes entre eux. Alors qu'en fait, les gens s'identifient à ce problème-là au lieu de dire, voilà, mon animal a un problème avec ton animal, avec seulement cette partie-là. My dog likes to chase your cat.
Mon chien aime courir après ton chat, par exemple. And your cat constantly tries to escape and run away. Il y a toujours ton chat qui est en train de toujours essayer de s'échapper. Yeah, it's quite fascinating. C'est assez fascinant. Then one day somebody asked me, could you do a relationship work with somebody who's not there? Et un jour, quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'il est possible de faire un travail de relation avec quelqu'un qui n'est pas présent? Somebody, for example, who's dead. Par exemple, quelqu'un qui est mort. Huh? Or somebody who's just not present. Ou simplement quelqu'un qui n'est pas and là. When you do that, these energies know the other person's energies and the animal's mind. And it's quite amazing what happens. You can understand that, wow, this is the whole relationship there laid out in a way that we haven't seen before. Et donc, c'est ce qui se passe, c'est assez exceptionnel. Les animaux qui sont là, ces énergies-là, savent retrouver les énergies, l'autre animal. Et c'est... Sorry, I got lost here. I didn't know... Where were you when you got lost? Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est vraiment, vraiment fascinant, vraiment passionnant. So, when you do this with a person who has died, a lot of healing still happens. Et lorsque vous faites ça avec une personne qui est morte, il y a encore énormément de guérison qui peut se passer. And the person feels in a different relationship with that person. Et la personne se sent dans une relation différente avec l'autre personne. Uh-huh. Or when you do it with somebody who's just not present, somebody who stayed home or something like that. Quand vous le faites avec une personne qui n'est simplement pas présente, qui reste à la maison, quelque chose comme ça. The next time you see them, you see they have changed. La prochaine fois que vous les rencontrez, vous rendez compte qu'elles ont changé. Because we usually think, oh, I have a relationship with you. There's only one relationship there. But actually, there's two relationships. My relationship with you, your relationship with me. Parce que souvent, on pense, voilà, il y a juste une relation. J'ai une relation avec toi. En fait, il y en a au moins deux. C'est-à-dire, j'ai une relation avec toi, mais toi, tu as une relation avec moi. When one of those relationships changes, it invites the other one to change as well. They don't meet the same energy. Et lorsqu'une des relations change, cela invite un changement dans l'autre relation. So we are mysterious beings. Nous sommes des êtres très mystérieux. We're just barely starting to discover who we are and what our potential is. Et nous commençons à peine à découvrir qui nous sommes et quel est notre potentiel. And how much we could grow. Et à quel point nous pouvons grandir. And how we could get along with each other. Et à quel point nous pouvons nous entendre les uns avec les autres. If we're enemies with ourselves inside, we're going to find an enemy outside. Si nous sommes un ennemi de nous-mêmes à l'intérieur, nous allons forcément trouver des ennemis à l'extérieur. If we hate a part of who we are, we're going to hate a part of somebody else, or we're going to feel they hate us. Si nous détestons une partie de ce que nous sommes, nous allons détester une partie de quelqu'un d'autre à l'extérieur, ou nous allons avoir l'impression qu'il nous déteste. We are much more brilliant than allowing ourselves to get stuck there. Et en fait, nous sommes beaucoup plus brillants que nous laisser simplement rester coincés comme ça. We are brilliant beings, creative, inventive. Nous sommes des êtres brillants, créatifs, inventifs. We learn quickly, immediately. On apprend rapidement, instantanément. Without any question. Sans question. Uh-huh. And so we need to start coming home and discovering who we are. Yes. Il faut que nous revenions à la maison et que nous découvrions qui nous sommes. Hello. Thank you very much for sharing this way. Sorry, j'ai pas entendu la fin. Comment? J'ai pas entendu la fin. C'est un honneur. It's an honor. Donc, sharing. Thank you for the sharing. Okay. First question. Does it happen to you to see these totem animals of a person before she actually becomes aware of them? Sometimes. Parfois, oui. I don't try to do it. J'essaye pas de le faire. And I'm very respectful of the person. Et je suis très respectueux de la personne. And if I'm going to try to see something in them, I ask their permission first. Et si j'essaye de voir quelque chose en eux, je leur demande la permission avant de le faire. For example, years ago, I was doing a workshop in Switzerland. Par exemple, il y a des années, je faisais un workshop comme ça en Suisse. And there was a young woman there who somehow got very frozen. Il y avait une jeune femme là qui, d'une certaine façon, était bloquée, congelée en quelque sorte. And I just looked at her and I said, "What's happening?" Et je la regarde, je lui dis, "Qu'est-ce qui se passe?" And she said, "I don't know, but I know that you know." Et elle m'a dit, "Je ne sais pas, mais je sais que toi, tu le sais." But I didn't know. Je ne savais pas, en fait. So I said to her, "Would it be okay if I looked into you and tell you what I see?"
Et je lui ai demandé à ce moment-là, est-ce que c'est OK? Est-ce que ça va si je regarde en toi et je te dis ce que je vois? And she said yes. Elle a dit oui. And so I looked into her with my imagination. Et donc j'ai regardé en elle avec mon imagination. And I saw a girl about 8 years old. J'ai vu une fille d'environ 8 ans. And she was surrounded by other girls around that same age. Et elle était entourée de filles qui avaient à peu près cet âge-là. The one in the center was dressed differently from the others. Et celle qui était au centre était habillée différemment des autres. And she was trying very hard not to seem like she was very afraid of them and almost ready to cry. Et elle essayait vraiment très fort de ne pas montrer qu'elle avait peur des autres filles et qu'elle était sur le point de pleurer. And so I told her that. Et je lui ai dit ça. And she said, "Oh my God, when I was 8 years old, my family moved from South America to Germany." Elle m'a dit, mon Dieu, quand j'avais 8 ans, ma famille a déménagé d'Amérique du Sud, on est allé en Allemagne. And I had to go to an internat. What's an internat? Et donc il a fallu que j'aille en pension. Uh-huh. And I was dressed differently. I didn't really speak the language, and everybody was just standing around looking at me, and I felt very uncomfortable. Et donc j'étais habillé différemment. Je ne parlais pas la langue. Et tout le monde me regardait, était autour de moi comme ça, et me regardait, j'étais très très mal à l'aise. Okay. So this is a place she had gotten stuck in her own feelings and presence. Et là voilà, ça c'était un lieu où elle était restée coincée dans ses propres sensations, ses propres sentiments. And if we're stuck someplace in the past, we're going to see the present as if it were the past, emotionally. Si nous restons coincés dans un instant du passé comme ça, nous allons voir le présent comme si c'était le passé. This is what I discovered by this part of me that felt he didn't belong in school. Et c'est ça que j'ai découvert à travers cette partie de moi qui se sentait pas à sa place à l'école. I was carrying around that frozen feeling. Je transportais avec moi ce sentiment congelé en quelque sorte. Mm-hmm. So that needed to melt. Il fallait que cela fonde. Then I could be present where I was. Et alors je pouvais véritablement être présent là où j'étais. But we have a lot of places like that. Il y a beaucoup d'endroits comme ça en nous. Usually we find them as children. Et souvent on les retrouve comme enfants. And I've worked with people who find a little baby who is injured. They help it heal. They take the baby, put it in their heart. They find a 3-year-old girl who's injured. They bring her along. 7-year-old girl, 12-year-old, 4. After a while, they have this whole bunch of children around them. Et donc, j'ai travaillé avec des gens comme ça qui rencontrent un petit bébé, qui le prennent avec eux, puis quelqu'un de 3 ans, et puis 5 ans, et puis 7 ans, et ainsi de suite. Et à la fin, ils ont tout un tas d'enfants comme ça autour d'eux, après les avoir pris avec eux. When we accept and embrace all of those parts, then they become part of who we are in our totality. Quand on accepte et qu'on embrasse en fait toutes ces parties, ils deviennent partie vraiment de nous-mêmes. Uh-huh. And I think that's our job, to just embrace who we are. Totally. Et c'est ça notre travail, d'embrasser vraiment ce que nous sommes, qui nous sommes. Anything else? That's an. I've said enough, have I? Voilà, maintenant j'ai parlé assez. Yes. Sorry. Bon, good evening. I'd like to know if it's always the same animals that appear for everyone, or if it happens to be sometimes very strange animals, you know, very, very weird, or always kind of classical figures. It is different animals for each person. And the animals can change. Et les animaux peuvent changer. Uh-huh. And our job is to learn from the animal about itself. Et notre travail, c'est d'apprendre de l'animal à propos de lui-même. Our tendency is to go to a book and learn about the animal from a book. Nous, on a tendance à aller voir dans un bouquin et apprendre à propos de l'animal d'après le livre. Our thinking has been trained very thoroughly to do that. Notre pensée a été entraînée très fortement à faire comme ça. It would be much better if we said to the animal, "Tell me about yourself." Ça serait beaucoup mieux si on disait à l'animal, parle-moi de toi. Show me how you live. Montre-moi comment tu vis. What do you eat?
Qu'est-ce que tu manges? Would it be okay if I merge into you so I can feel what it's like? Est-ce que c'est okay si je fusionne avec toi pour sentir ce que c'est d'être toi? And that way we learn directly through our experience from the animal. Et de cette façon, on apprend directement de l'animal. The other thing à propos is, de nous-mêmes. As we grow, the animal changes. Une autre chose, c'est aussi au fur et à mesure que l'on grandit, les animaux changent. Or as the animal changes, we grow. Ou bien aussi de la comme les animaux changent, à ce moment-là, nous, nous grandissons. We mirror each other. On est vraiment en miroir l'un avec l'autre. And we need to treat the animals as honored guests, as honored friends. Il faut vraiment que nous traitions les animaux comme des hôtes respectés, comme des amis respectés et honorés. If we treat them a certain way, then we'll feel treated that same way. Et donc, si on les traite d'une certaine façon, nous nous sentirons traités de même. And a lot of times, when we first meet them, we find ourselves automatically treating them the way we were treated as children. Et très souvent, lorsqu'on les rencontre pour la première fois, on se rend compte qu'on les traite de la même façon que nous avons été traités en tant qu'enfants. And that also needs to heal. Et cela aussi, il faut que cela guérisse. So the reflection is very beautiful. Donc, ce jeu de reflet est très beau. The way the more we help them grow and be healthy and heal, the more we grow and be healthy and heal. Plus on les aide à grandir, à être en bonne santé et à guérir, plus nous-mêmes nous grandissons, nous sommes en bonne santé, nous guérissons. Was there a second part to your question? Est-ce qu'il y avait une deuxième partie à ta question? Des animaux bizarres. What are the weirdest animals that you've seen? Sometimes you meet animals that are combinations of several animals. Parfois, on rencontre des animaux qui sont des mélanges, des combinations de plusieurs animaux. I've run into a number of dragons. J'ai rencontré un certain nombre de dragons. Some people will say to me, "Ah, this isn't an animal; it's an insect. Is that okay?" Des gens me disaient parfois, "Ça, c'est pas un animal, c'est un insecte. Ça va quand même?" Or others will say, "Oh, this is a mythical animal; it's a unicorn. Is that okay?" Ou des gens me disaient, ah non, ça c'est un animal mythique, c'est une licorne, est-ce que ça va? Or I worked once with a young lady, lovely young lady, and she met all of her animals, all of her chakras and so on, and didn't say much to me about them. Donc un jour, j'ai travaillé avec une dame charmante qui a rencontré tous ses chakras, tous les animaux de ses chakras, mais elle n'en parlait pas beaucoup. At the end, she said to me, you know, I don't really see animals, but I see Jesus in every chakra, is that okay? Et à la fin, elle m'a dit, en fait, tu sais, je ne vois pas vraiment des animaux, je vois Jésus dans chaque chakra. Est-ce que ça va? I say, that's fine. Je dis, ça va très bien. Whatever's there is there. Quoi que ce soit qui apparaisse, qui soit là, c'est bien. She's now a pastor. Et elle est maintenant un pasteur. You had a question over here. Thank you for this beautiful transmission, first of all. Is there a question that we didn't ask to which you like to answer? That's good. You've put me on the spot. Ah là, tu m'as bien eu. That's a great question. No, but something that you know like to elaborate about, maybe? The fact that aliveness is very mysterious. Peut-être le fait d'être vivant, c'est cette intensité de vie en nous est extrêmement mystérieuse. Biologists try to narrow it down by going to the molecules and how it started, this flash of lightning, you know, and all of that stuff. But to me, I have a feeling that aliveness is a quality of the universe, the same as space and matter and energy. Les biologistes essayent de comprendre cela à travers les molécules, etc. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec l'univers. And I think the whole universe is alive. Je pense que l'univers tout entier est vivant. It's very mysterious for us to think that. C'est très mystérieux pour nous de penser cela. But it may be very mysterious for the microbe that's in my belly also to think, what's this guy doing here anyway? Mais c'est peut-être tout aussi mystérieux pour les microbes qui sont là dans mon ventre de penser, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, est-ce que c'est vivant?
What's all of this noise he's making? C'est quoi tous ces bruits qu'il fait là, qui se passent? Why aren't these people just here enjoying themselves, dancing, singing? Pourquoi est-ce que ces gens sont pas juste en train de s'amuser? Eating good food. Manger de la bonne nourriture. After all, we're in Paris. Après tout, on est à Paris. So I think the universe is very mysterious. We have trouble getting a sense of it. We have a physical sense of it. Je pense que l'univers est extrêmement mystérieux. On a du mal à avoir vraiment un sens de ce qu'il est. On a juste un sens physique de ce qu'il est. There's this light, there's these different chemical compounds and all of this stuff that goes on, you know, all of these chemical interactions and so on. But as a totality, maybe it has a wholeness that is impossible for us to reach at this point. Voilà, il y a tous ces composés chimiques, il y a la lumière et toutes ces interactions entre le composé chimique, etc. Mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose de complet qu'il nous faut rencontrer. Maybe when we die, we go on a passageway to finally seeing. Et peut-être quand on meurt, on traverse un passage pour rencontrer cette totalité. La fameuse expérience à découvrir. This is the experience to discover that you were mentioning some time ago, the experience of dying, of going through this passageway. Yes. So I don't see dying as a bad thing. Et donc je ne ressens pas le fait de mourir comme une mauvaise chose. I used to be terrified of dying when I was young. J'étais terrifié de la mort quand j'étais plus jeune. Until I read a passage in one of Krishnamurti's books. Jusqu'à ce que je lise un passage dans un livre de Krishnamurti, si vous connaissez. And what he said was, we cannot be afraid of dying. Et ce qu'il disait dans ce passage, c'est nous ne pouvons pas avoir peur de mourir. Because we don't even know what it is. Parce qu'on ne sait même pas ce que c'est. What we're afraid of is letting go of all of the things we hang on to. Ce dont nous avons peur, c'est de lâcher prise de toutes les choses auxquelles nous nous accrochons. That's what we're afraid of. And the more I let go of things, the easier it gets to be to get old, decrepit, you know, and get into my wheelchair. Et plus je lasse prise de toutes ces choses, de devenir décrépit avec ma chaise roulante, etc. But I enjoy every moment of it. Mais j'apprécie, j'ai plaisir à chaque moment. The time I spent in the hospital in Copenhagen, to me, was very fascinating. Tout ce temps que j'ai passé à l'hôpital à Copenhague, c'était fascinant. And I was just interested in how the whole thing worked, the structures there, how everything was coordinated. The people were wonderful. J'étais intéressé de voir comment tout ça fonctionnait. Les gens étaient merveilleux, les infirmières, les médecins. And I was totally at home with them there. It was a lovely time. Et j'étais vraiment chez moi là-bas. C'était un moment très agréable. And I have a feeling it was the universe telling me, hey, it's time for you to take a rest here. How about 6 weeks? J'ai eu l'impression que c'était une façon pour l'univers de me dire, oui, il serait peut-être temps que tu te reposes un petit peu. Qu'est-ce que tu dirais de six semaines comme ça de repos? And since I came out of that, I feel stronger than ever. Et depuis que je suis sorti, je me sens beaucoup plus fort que jamais. You ask interesting questions. Tu me poses des questions très intéressantes. Did you have a question also? No, no. Okay. Is there a question there? Yes. Thank you very much. We take the last question. Take the last question? Okay. I have a lot of pleasure listening to you. I'd like to ask you a question which I am often faced with my learning of therapy. Vous avez commencé par cet échange en parlant du présent. You started talking about the present. Et par la suite, nous avons discuté de cette méthode par laquelle vous. And then we talked about this method through which you practice psychotherapy. Parce que la psychothérapie peut nous permettre de résoudre nos problèmes. And because psychotherapy can help us resolve our problems. Nous pouvons parfois être tentés d'utiliser cet outil comme un moyen de s'améliorer nous-mêmes. Sometimes we can be tempted to use this tool as a way to improve ourselves.
just as we do when we try to heal from all our injuries, as you told us. Et je crains souvent, en m'intéressant à la psychothérapie, and very often I fear when I get interested into psychotherapy, de me perdre dans une perpétuelle projection idéale d'un moi accompli. To get lost into a continuous projection of an ideal accomplished me. Et cet état de fait peut nous entretenir dans une projection du futur permanent et nous éloigner du présent. And the state of being can keep us into a continuous projection of the future and separate us from the present. And here somehow there's a kind of paradox here. So, I'm sorry. And I'd like to know what is your view on this. It depends on what knowing we are looking through. Ça dépend à travers quelle connaissance nous regardons. If we look through our imagination, there is no projection. Si on regarde à travers notre imagination, il n'y a pas de projection. There's experience in the moment, right then and there. Il y a expérience sur le moment, là, ici et maintenant. If we look through our feeling, there is an energy that's happening right there in the moment. Si on regarde à travers nos sentiments, il y a une énergie qui se passe là, maintenant. If we look through our senses, what we're seeing or hearing or touching, smelling, tasting, is in the moment. Si on regarde à travers nos sens, ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on touche, ce que l'on goûte, c'est dans l'instant. When we get into our thinking, lorsqu'on arrive dans notre pensée, story. Et c'est là où ça commence. Thinking exists in a realm that gives us the past and the future. Parce que la pensée existe dans un monde qui nous donne le passé et le futur. Which is okay. Ce qui est okay. As long as we don't take it as a reality. Pour autant qu'on ne le prenne pas pour une réalité. We can look at it as a possibility. On peut plutôt le regarder comme une possibilité. Like a map that we're constantly rebuilding. Comme une carte que l'on reconstruit à chaque instant. We're constantly re-evaluating the past historically. Et constamment, nous réévaluons le passé historique. The more we learn about what went on, the more our past map changes. Et plus on apprend à propos de ce qui s'est passé, plus notre carte du passé se modifie. And the more we recognize that what I see the future as is also a map. Et plus je reconnais le futur, aussi se construit une carte du futur. Mm-hmm. Then the question is, okay, why do I build this kind of a map? Et donc la question c'est pourquoi est-ce que je construis ces cartes? And would it be okay not to have the map? Et est-ce que ça irait de ne pas avoir de carte? To trust each moment as it happens. De simplement faire confiance à chaque moment quand il arrive. And that there's a part of me capable of being present in that moment authentically and giving my entire life to it. Et qu'il y a une partie de moi qui est capable d'être présent dans ce moment entièrement et de donner ma vie entière à cela. So that the future doesn't become that vital and it becomes a possibility. Et donc le futur ne devient plus si vital, ça devient juste une possibilité. And we can see lots of different possibilities. Et il y a plein de possibilités différentes. And maybe one of them draws us. Peut-être qu'il y en a une qui nous attire. And if they're unified, et si elles sont unifiées, there's a tremendous power to them. À ce moment-là, il y a un pouvoir énorme à cela. Uh-huh. So, as I was growing up, to me, the past was vital. Quand je grandissais, pour moi, le passé était vital. I thought if I understood the past, I would know how to avoid getting punished in the future. Je croyais que si j'arrivais à comprendre le passé, je pourrais ainsi éviter d'être puni dans le futur. But what I was trying to do was avoid pain in the future. Mais ce que j'essayais de faire, c'était simplement éviter la douleur dans le futur. So I think your question is a beautiful question. Je trouve que votre question est très belle. How do I allow all of my different ways of knowing to fit together? Comment est-ce que je peux permettre à mes différentes façons de savoir
de fonctionner tout ensemble. So that they can balance each other. De façon à ce qu'elles s'équilibrent l'une l'autre. And participate together. Et participent ensemble. Rather than one of them thinking I'm the right one. Plutôt qu'une seule d'entre elles pensait ah c'est moi qui ai raison, c'est moi qui suis la façon juste. Can I work together with these other ways of knowing? Voilà, est-ce qu'il y a moyen de travailler tous ensemble avec toutes ces autres façons de connaître. And when that happens, it's very exciting. Et lorsque ça se passe, c'est vraiment très excitant. Yeah. And it's not that thinking comes to an end, but that thinking is full of possibilities. C'est pas que la pensée s'arrête, c'est simplement que la pensée est pleine de possibilités. And if something doesn't work out, that's fine too. Si quelque chose ne marche pas, ça va très bien, yeah. Pas de problème. Nothing specifically has to be so. Il n'y a rien qui doit être absolument comme cela. But our aliveness brings it into being. C'est simplement que le simple fait d'être vivant l'amène à l'existence. This is the difficulty I find with certain cultures that try to impose themselves on children. C'est la difficulté que j'ai avec certaines cultures qui essayent de s'imposer de cette façon sur les enfants. It's like children learn the world is supposed to be a certain way and I'm supposed to fit myself into it so that it continues in that way. Les enfants apprennent, voilà, je suis censé être d'une certaine façon, le monde est d'une certaine façon, il faut que je trouve le moyen de m'inscrire dans cette façon d'être du monde. I'd much rather see children raised understanding that they are one of the most creative dimensions of the emergence of a culture and their participation is essential in that culture being complete and beautiful and whole. Je préfère beaucoup que les enfants grandissent en apprenant qu'ils sont créatifs, imaginatifs et qu'ils sont une partie importante d'une culture en train de se créer, de se développer. So that's the vision that draws me forward. Ça, c'est ça la vision qui m'appelle, qui m'attire. And I don't, I'm not trying to sell you that vision. I think each person needs to find their own vision. Je suis pas en train d'essayer de vous vendre cette vision. Chacun doit trouver sa propre vision. So I support you fully. Donc je supporte tout à fait votre discovering, démarche. Discovering, finding and following your vision. Trouvez et suivez votre vision.